Bonjour à tous, ici Yakipon pour du stream. Voilà, on s'est lancé avec Ivasan Studio sur du stream. Et comme vous pouvez le voir, on va commencer sur du Hollow Knight. Après, je pense que ça changera, on verra. On verra comment on se démerde. On est parti. Écoutez, je connais pas très très bien le jeu. Je l'ai jamais fait, la preuve, hein. Déplacez le curseur afin que les cadres touchent les bords de l'écran. Là, on est très bien. C'est parti, la luminosité. Je sais que ce jeu se veut un peu sombre, mais on va garder les paramètres normaux. Ok, c'est parti, go. Et on a mis la langue française, comme ça, moi, ça sera plus facile. Je n'aurai pas de traduction à faire en live. L'érudite Monomon. Soit. Bon, c'est très le vent, c'est très le calme. Bon, c'est plus rien du tout, donc c'est encore plus calme. Ouais, les dessins, ils sont jolis. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord. Est-ce que c'est tout? Parce que si c'est tout, c'est drôle, quand même, quand on y pense. Je pense que c'est tout. Le petit bonhomme. Le petit lampadaire. Tout va être petit, je pense. Des petits pieds. Ah, par contre, des grands yeux. Une petite épée. Ah oui. Et c'est tout. J'adore ce genre de cinématique où t'es lâché dans un truc où tu comprends rien. C'est quand même magique. D'accord, oui, donc on est vraiment lâché. Je peux bouger, je peux pas bouger. Je sais pas. On se relève. Oui! Ok, j'ai trouvé les boutons les plus principaux. Sauter et taper. Ok, cool. Bon, on va avancer. Doubidou, un jeu signé Team Cerise. Équipe Cerise, pardon. Et pas celle du Groupama, je pense. C'est quoi ça? Harry Gibson et William Pelland. Bon, pour l'instant, c'est pas très compliqué, hein. Évidemment, c'est le début du jeu. C'est quoi ça? Ah, c'est l'argent! On aime bien l'argent, le fameux. Ah oui, alors la gestion des sceaux est un peu catastrophique pour l'instant. Soit. C'est joli. Oh, enculé! Interagir. Être supérieur, ces mots sont pour vous seul. Bon, ben, si déjà on dit que je suis un être supérieur, moi ça me va. Votre grande force vous marque parmi nous. Canalisez votre âme et vous accomplirez des exploits que d'autres ne peuvent que rêver. Régénérez l'âme. Ah, on peut soigner, déjà dès le début du jeu. Oui, alors là, j'ai soigné dans le vide, j'ai perdu de l'énergie, mais c'est pas grave. Comment on gagne de l'énergie? En tapant des monstres. Très bien. Bon, pour l'instant, le gameplay est... ne pas aller sur les pics, je pense. Il y a un moustique. Il y a un manque de musique assez certain. L'argent. Oh putain! En plus, il y a des stalactites. Bon, bah écoutez, on continue. Je sais pas où je vais. Oh oui! Non! Je l'ai pas mon. Je voulais pas tomber. Mais c'était drôle ça, la stalactite qui tombe sur le monstre. C'est plutôt sympa. Hein. Est-ce que je suis forcément repoussé quand je tape un mur? Oui. Parce que comment je vais faire pour deviner où aller? Ok, bon, bah, j'ai détruit des trucs. Ah! Bon, bah soit. Je sais pas où je vais. Il y a une carte. Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est... Oh! Bon, j'ai paniqué. Ok, on m'apprend à... Ça non, ça non. Bon, pour l'instant, je connais pas mes boutons. Eh bien, soit. Il y a quoi là? Est-ce que c'est le bruit d'un secret? Ouais. Et là, on va où? Je suis sûr qu'il y a un truc à faire là. Non, je pense que j'y arriverai pas. Non. Mais ça fait un truc quand on tape les pics. Bon, tant pis. Ok. Donc c'est là où on est tombé. Il y avait un truc de l'autre côté, moi je veux y aller. Bon, tant pis. On casse tout parce que bon, on n'a aucun respect. Être supérieur encore. Au-delà de cet endroit, vous entrez sur la terre du roi et du créateur. Franchissez ce seuil et respectez nos lois, soyez témoins de la dernière et unique civilisation, le royaume éternel, à l'honneste. Ok. Et... D'accord, faut bourriner. Eh ben on bourrine la porte, hein. Je crois que j'ai un peu trop bourriné. Mon écran est noir. Ok, d'accord. C'était un chargement. On peut attaquer vers le bas. En l'air, sur les côtés. Ok. On... Tirtmousse, la ville fantôme. Bonjour. Il a le même casque que moi. Bien le bonjour, voyageur. J'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Ah. Bon, ben... Il s'appelle l'Ancien, en plus. Le Vieux. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine. Il attire toujours tout un tas de monde dans... Hein? Ah, ok. Richesse, gloire, illumination, ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi, l'air en bas est malsain, les créatures deviennent folles, et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Ça, c'est con, quand même. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses, après tout. Ok. Ouais! J'ai découvert des points de sauvegarde. Des bancs. Pour toutes vos fournitures de cartographie, nous serons bientôt ouverts, Iselda et Cornifère. Ok. Donc on aura bel et bien une carte, un jour. Ah! Mais je pensais que c'était une plateforme. Je suis tombé où, là? Je suis tombé comme un caca. Les routes oubliées. Ok. Des monstres! Les monstres les plus durs... Oh, merde. Les monstres les plus durs à trouver, je pense. Et maintenant, je vais où? Mais je sais même pas où je vais! Oh là, des mouches. Alors, les gens disent que c'est un Metroidvania, donc je pense que je vais découvrir des zones auxquelles je ne pourrai pas accéder. C'est quoi, ça? D'accord, un vieux qui chiale. Je peux pas aller là. Ok. Et pourquoi tu chiales? Je peux pas interagir. Bon, bah tant pis. Bah, chiale. La prochaine fois, tu me diras ce que tu veux. Salaud. Ok. Bon, on va descendre. Fallait peut-être pas faire ça. Y'a quoi là? Il y a de l'herbe. Examinez. La voie du pèlerin. Les voyageurs de l'Honest traversent ces terres sauvages, verdoyantes et des bosquets de champignons pour atteindre la ville, située au cœur de ce royaume. C'est là que tous les vœux seront exaucés et toutes les vérités révélées. Mais... Bon, on m'a juste lâché dans un truc et je sais pas s'il faut que j'aille, moi. Ok, il y avait une porte. Là, il y a un trou, il y a encore une zone. Ah, j'ai pas envie de tout remonter. Ah, j'ai cru qu'elle s'activait et qu'il fallait ressauter pour pas tomber. En fait, non.
Bon, on va aller là, je sais même pas où faut aller, donc... Je suis un peu perdu. Mais j'ai vraiment pas de carte. Ah, là, il y a du bonus. On va tout détruire. Il y a un bruit bizarre. Ah, il y a un ver de terre là-haut. Putain. On va prendre l'argent parce que l'argent, ben, c'est cool. Surtout que c'est un petit... Ah, je vais aller là-bas. Non! Bon, tant pis. Je pense que j'aurai d'autres pouvoirs pour l'atteindre plus tard. Mais je veux une carte, moi, comment on fait? Ok, donc ça c'est un bouton, ça c'est pas une carte. Je peux me déplacer comme ça, sauf que j'ai pas envie. Et c'est qui ces mecs là? Pourquoi ils me veulent du mal? Ah, mais je rebondis sur les gens? Ok. Oui, on rebondit sur les gens, même si ils nous martyrisent. Putain, le heal, il est long. Il est où le monsieur? Charge-moi. Ah! Faut que je me fasse encore au combat. C'est pas évident, évident. Attends, on devrait être payé pour couper de l'herbe. Putain, mais. Non, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Failli tomber, mais c'est pas grave. C'est quoi ce... Encore des stalactites de la mort. Les moustiques. Bon, ben voilà. Ah putain, mais ce recul, il est insupportable. Bon, on va aller là-bas. Il y a des panneaux, mais il n'y a rien écrit dessus. Je peux même pas interagir. Je sais pas où je vais. Donc peut-être qu'un jour, je trouverai une carte, un truc, une boussole. J'en sais rien. Bonjour. Non, toi t'es chiant, toi. Donne-moi l'argent. Putain, je rackette les gens en fait. Bonjour, je te rackette. Y'a quoi là-haut? Eh, y'a un truc là. Mais je peux pas y aller. Bon, tant pis. C'est relou, j'aime pas avoir des trucs déjà dès que tu commences le jeu que tu peux pas atteindre. Ça parce que le jeu il te dit non. C'est quoi ça? J'entre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Temple de l'œuf noir. C'est qui ça? Tu es petit mais tu as l'air costaud. Bah oui. Ah c'est Quirrell. Ça me dit quelque chose ce nom, Quirrell. Je sais plus. D'accord. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants et le plus intrigant. Un grand œuf en pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Mais cet œuf est-il chaud? Quoi qu'il en soit, il a l'air unique en son genre. Bah, c'est vrai qu'un œuf comme ça, enfin bref. Il y a des marques étranges. J'aimerais tellement un bon mystère. Ah non, j'aime tellement un bon mystère. Qui sait quelles autres merveilles se trouvent plus profondément en dessous de nous? Ben, je ne sais pas, mon pauvre Quirrell. Et là-bas, il y a quoi? Là-bas, il y a rien. Et je pense que l'œuf, on peut encore rien faire avec. Eh bien, on se casse, tout simplement. Mais je sais pas où aller. Là, là, on coupe tout, on coupe tout. Là, il y a quoi, là? Il y a encore des ennemis de merde. Je crois que je tourne en rond en fait. Là. Alors se soigner, ça serait bien. Comme ça, au moins, on part avec 5 points de vie. Doudou. Ah, je peux monter, oui. Est-ce que c'est là où je suis tombé? Sur ce bel écran noir. Oui, c'est là où je suis tombé. Je peux continuer ma visite guidée de la ville. Examiner. Une porte en pierre avec une serrure. Bon, ben j'ai pas de clé. On repart. Il saute haut, ce petit bonhomme.
Ce petit bonhomme, c'est Butters. Donc là, oui, c'est la ville. Eh, on peut que marcher. Se reposer. Bon. On a sauvegardé, on est heureux. Bon, bah, je pense qu'il faut aller dans le trou. Mais de quel côté partir, j'en ai aucune idée. Faut aller dans les puits. Donc là, en fait, c'est par là d'où je viens. Donc on va essayer de d'aller ailleurs. Mais je peux pas avoir une carte, un truc. S'il vous plaît. Ne me dis pas que ça va faire comme Seasons After Fall et je vais devoir chercher pendant 8 ans. Parce que je suis perdu. Bon, on a quand même pas mal d'argent. 184. Paf. 1, 2, 3, paf, pastèque. Je pense que les panneaux ils disent où est la sortie. Genre pour remonter. Il y avait un truc caché. Genre là, je suis allé où? Mais la hitbox, please. Soit mon personnage est énorme, soit les monstres sont trop gros. Oh. Ah là là. Décidément, quand ça va pas. Ah, j'ai un point de vie, ben non. Non, j'en ai 3. Allez, 4. Ok, c'est cool. Donc on peut soigner 3 points de vie. Par là, j'y suis allé, mais je suis monté, je crois. Non, je sais plus. C'est où qu'il y avait une espèce de... Donc les monstres repop, ça par contre c'est relou. Ok, je l'avais pas vu. Il était pas assez gros. Alors il y a le truc là-haut qui fait du bruit bizarre. On va se soigner. J'ai pas envie de mourir. Ça serait con quand même de mourir avant d'avoir fait la première mécanique du jeu. Ah. Bon là on retrouve les Jean-Michel. Jean-Michel casse-couille. Mais lui il saute, il est relou. Est-ce que c'est là où il y avait deux chemins? Allez, au revoir. Ah! Le recul! Le recul, c'est chiant, le recul, c'est chiant, le recul, c'est chiant. Ah là, j'y suis pas allé. Vas-y, on va là. Ah, mais il y a des portes! Et donc, je fais comment? Ok, d'accord, je peux repartir comme ça. Ça, c'est cool quand même. Est-ce que c'est là où il y avait une mine? Parce que... Ah, c'est là. Je l'avais bien vu. Est-ce qu'on peut aller vers là-bas? Est-ce une nouvelle zone? Est-ce que je sais pas où on va? Exactement. Il y a du cristal. C'est des mines de cristal. J'ai pété le cristal. Hey, il y a un truc là. Est-ce que c'est un boss? Est-ce qu'il faut que je casse le cristal comme un enfoiré? Salut! Oh, en terre, pâle et légère, ma mère. Ah oui, d'accord. En terre, les yeux bien fermés, mon père. En terre, deux par deux, mes sœurs. Et quand tu auras terminé, enterre-moi dans l'heure. Mais c'est génial, ça, comme chanson. C'est très gay. Elle s'appelle Mila. Tu la connais, celle-là? C'est l'une de mes favorites. Nous pouvons chanter autre chose. Bah, ouais, un truc de plus gay, non? Si tu es venu pour devenir riche, tu n'as qu'à regarder autour de toi. Ces mines sont toujours pleines à craquer de richesses. Je peux pas avoir une pioche? Est-ce que tu redis la même chose? Oui. Ah non, maintenant elle chante autre chose. Enterre le chevalier avec son aiguillon brisé. Enterre le prêtre, quelque chose au sujet d'une couronne. D'accord. Bon, ben au revoir, merci de m'avoir aidé. Connasse. Ah. Petit ascenseur. Alors on est tous d'accord qu'il y a... Je peux aller là? Oui. C'est quoi ça? Ah, ça donne du mana, c'est cool ça. Donne-moi du mana. Bon, ok, ça en donne plus évidemment. On remonte. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un mur cassable là juste derrière? Non. Bon, bah go, on s'en va. Ok,
Ok, je pense qu'il y a un truc à faire, mais pas là. Ok, donc ici, je peux pas y aller maintenant. Est-ce que je vais tourner en rond pendant 2 heures avant de trouver là où il faut que j'aille? Je suis tombé. Bon, ce n'est pas dans la caverne de cristal. Est-ce que c'est là où il y avait des buissons et de la végétation? Je ne sais pas. Donc on y va. Alors là, je peux pas y aller non plus. Là, il y a la saleté de... stalactite avec le moustique. Le moustique, va-t'en, s'il te plaît. Merci. Là, il y a un truc qui fonce. Olé. Et ça, c'était beau. Oh merde. Mais cassez-vous. Putain, le bruit qu'ils font quand ils meurent, par contre, ils sont au bout de leur vie, quoi. Oh. J'ai que 2 boutons, quoi. Sauter et attaquer, c'est nul. Tu vas me dire, c'est le début, mais... Ah non, j'ai me recharger la vie. Pardon. Plus si je dis des conneries. Bon. On est perdu. Ah, c'est là où je voulais aller. Elle est où la végétation? Elle est là. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Est-ce que c'est une autre zone? C'est quoi ça? Ok. La musique a changé, donc faut que je tue. Est-ce qu'il faut que je lui renvoie sa boule? Non, je peux pas. Bon, bah je peux pas aller par là non plus. Mais j'ai rien pour le taper, si. Ou faut être vraiment à la limite, faut courir comme un abruti. Non, il veut pas. Je peux même pas passer, genre, de force. Bon. Eh ben, ce n'est pas par là non plus. Je suis bloqué. Je sais pas où aller. Bon, le côté... Ah, là, il y a une porte, putain. C'est peut-être par là. On va aller vers la porte. Ce recul est juste insupportable, quoi. Donc attends, la porte, elle est... Ah, elle est là. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Encore des plateformes et des mouches à merde. Bon, bah voilà, ça m'apprendra. On se recharge la vie. J'ai pas envie de mourir. Ok. S'il y a des stalactites un peu partout aussi, c'est pas très amusant. Ah, un truc qui rend du mana. On va le laisser comme ça pour l'instant. Oh là là. Et là, je fais comment là? Je peux pas rebondir sur les murs, si. Non, je peux pas. Mais est-ce que je peux rebondir sur ça? Non. Bon, je ne peux pas. Donc ce n'est pas par là non plus. Je tourne en rond. C'est pas du tout amusant. Donc apparemment il semble... Ah, je suis pas allé là. Ah ah! Il y a du bruit. C'est quoi ça? Un gros moustique. Ah bien le bonjour, vous êtes-vous, pardon, venu pour explorer ces magnifiques vieilles ruines? Ne faites pas attention à moi. Bah, t'es là en plein milieu et tu chantonnes, excuse-moi. Bah. J'aime explorer aussi. Se perdre et retrouver son chemin est un plaisir comme aucun autre. Alors là, je viens de passer 20 minutes à tourner en rond, à peu près, j'ai pas envie, non. Je suis cartographe. Oh! Oui. Ah oui, mais oui. Voilà, tiens, voici de l'argent. Ah, maintenir LB. C'est où LB? Left. Left bottom ou left... Je sais plus. Merde. Je reviens toujours la voir après avoir fini de cartographier. Elle est toujours si excitée de me voir. D'accord, on lui dira. Ah, c'est là, j'ai trouvé. Ah, oh, putain. Ah oui, mais on est où là?
Ah, bah là où il y a le moustique, donc c'est là où on est. Je pense. Ouais, gna gna gna. Ah, c'est lui, Cornifère, d'accord. Ouais. Ah, d'accord, le mec s'est barré. Dès que j'ai pu, je me suis installé avec ma femme à Dirtmoust. Un immense royaume sans fin à explorer juste devant nous, qu'aurais-je pu... Ouais, d'accord, blablabla. Ok, bon, bah j'ai trouvé un cartographe et apparemment je le retrouverai plus tard. Sauf que ma carte se met pas à jour, sinon ça serait trop beau. Oh! Est-ce qu'il faut aller là-bas? Il y a des stalactites. Bon, on va aller là-bas. Est-ce que si maintenant je fais ça, ça s'est mis à jour ou pas? J'ai pas vu. C'est les monstres les plus simples, c'est les premiers monstres, je suis en PLS quoi. Ok, donc ça c'est pas tuable. Ah, j'ai envie de tenter un truc. Allez! On peut rebondir sur les monstres, ça c'est cool quand même. Je pense que je vais en avoir plus que besoin. C'était close. On avance. Est-ce que ça a mis à jour ma carte? Pas du tout. Il y a une grosse mouche avec le cul orange. Ça fait quoi? Ok, elle fait des enfants. Non, merci. Je déteste les enfants. Putain de merde. Je pense qu'il ne faut pas aller dans l'eau. Eh, c'est quoi ça? Ah! Ok, tout va bien. Ouais. D'accord, j'ai trouvé un ver de terre et il s'est barré. En plus, il était bien vert ce ver de terre. Ou chenille. Je sais pas ce que c'est. Donc je pense que c'est un bonus vu qu'il y en avait plusieurs. La 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 la. Ok, donc ce côté on l'a fait, on va partir de là. Et la carte toujours pas. Non, elle se met pas à jour automatiquement. C'est dommage. L'autre il est toujours là-haut en train de chanter. Des stalactites partout, c'est relou. Il y a quoi là? Oh, de l'argent. Si j'arrive à monter déjà, c'est peut-être un exploit. Ah, mais il y a de l'argent même en haut maintenant. Et je suis tombé comme une brêle, sinon c'est pas drôle. C'était juste pour aller chercher l'argent en fait. Hein? Vous y croyez ou pas? Moi j'y crois. L'argent il rebondit quoi. Ah putain! Le recul, c'est pas marrant. Les sauts non plus, c'est pas marrant. Ce jeu n'est pas marrant. Ah merde! Donc il y a vraiment des murs qui sont destructibles. Ah merde. Donc faut tuer la mouche. Ok, en plus elle se défend la cochonne. Je pense qu'il va y en avoir d'autres. Voilà. Paf! Paf la pastèque. Non, la stalactite à la con quoi. Il me reste un point de vie, c'est non, elle va me cracher dessus. Vite, vite, on se soigne avant que ça soit le bon. Ok, c'est plus le bordel. On va aller là. Putain, mais je détruis tout sur mon passage. Je suis un bulldozer. L'argent! Donc en fait, ce qui tremble est destructible, je pense. Donc un mur qui tremble, si je tape dedans. Ça veut dire qu'il sera destructible. Eh bien, soit. Ah, mais je vais pas m'amuser à faire tous les murs de l'amour et de la vérité. J'aimerais bien aller là-haut, comment je fais? Je ne peux pas. Eh bien, je ne vais pas par là, c'est tout. Bon, apparemment, le chemin est assez... Ah. Je vais pas dire qu'il est normal, mais je pense qu'il est assez dessiné, mais... Mais t'es obligé de te confronter à plein de choses. Genre là, il y a de l'eau, c'est quoi? Oh, je regarde ma vie et du mana. Et il y a un banc. Ok, donc j'ai fait mon banc. Mais je suis où sur cette putain de carte?
Ça, c'est un problème. En tout cas, on a trouvé des sources chaudes. C'est déjà pas mal. C'est kawaii. On redescend. On redescend. Ok. Ah oui, alors lui, il dash. Le mec, il a un dash dans sa vie, il l'a utilisé deux fois. Ah là là! Alors ne pas reculer dans le truc derrière, ça me ferait chier. Je vois l'argent. On va se mettre là, comme ça au moins si on se fait bump, ça sera en arrière. Ok, bon bah on avance. Mais on sait toujours pas où on est. Et ça c'est relou. Allez. Parce que c'est chiant, je sais pas où aller. Ne pas savoir où aller, c'est vraiment un problème. Il y a un truc qui vient de cracher, qui a fait un bruit dégueulasse. Je sais pas si le monstre qui vient de mourir ou si c'est plus haut. D'accord. Est-ce qu'il faut que je descende pour remonter? Oh, ce chiant. Ok. Trop tôt. Ah, je peux pas monter là-haut. Et la sortie est là, donc. Ah! On va se soigner. Et là, il y a quoi, là? Il y a des cailloux bizarres. On s'en fout. Bon, bah, on va remonter, vu qu'apparemment, il y a des bonus. On sait jamais, j'avais pas envie de tomber comme une brêle. Ah oui, mais là, comment je fais? Ok. Je veux l'argent. Encore trop tôt. Bon. Fuck it, l'argent. Alors là, il y a quoi? Ils disent qu'il y a un truc. Bon, on va voir s'il y a un truc. Il y a un monstre. Il n'y en a pas qu'un, mais... Il me faut des monstres. Il y a quoi, là? Ah, déjà, il y a un banc. Les bancs, c'est cool, là. C'est pour sauvegarder, regagner de la vie. Et ça, c'est quoi? Une machine avec le symbole d'un coléoptère. Oui, si tu veux. Et ça fait quoi? Et il n'y a rien? Ah, y a une cloche. C'est un métro? C'est méchant, c'est gentil. Ça a l'air gentil. Le dernier coléoptère. Salutations, petite S, ça a fait une éternité depuis la dernière fois que j'ai entendu la sonnerie de cette cloche. Ouais. Je suis vieux et fatigué. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais le son de cette cloche me fera toujours revenir. La joie. Ces tunnels de coléoptères s'étendent jusqu'au cœur de l'Honest. Si vous souhaitez les emprunter, ailez-moi de la plateforme. Alors, je ne comprends pas. Genre, c'est, il faut être là et on voyage. Ah, super. Ah, je peux aller à Dortmouth. Oh, c'est cool. Bon, ben, on a trouvé un moyen de voyager plus rapidement. Ce qui est plutôt sympa en soi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on redescend, on remonte? J'ai du mal encore avec ma hitbox. Ah! Il y a une chenille. Je pense que les chenilles, c'est vraiment les collectionnables. Et là, on est où, là? Ok, alors là, il y a un gros bonshomme. Avec des petites pattes. Oh merde! Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce qu'il est frappable? Oui! Enfoiré! Ah, il esquive et tout. Ok. Ah oui, donc ça déconne pas en fait les monstres ici. Oh, par contre. Non! Si tu fais toujours la même chose, pas. Non, non, non! Bon, tant pis.
Ah, mais je pouvais partir en fait, c'était pas fermé. Et maintenant, il se passe quoi? J'en viens là. Eh, mais mon truc là-haut, il est tout cassé, il est tout sale. Et j'ai perdu tout mon fric. Putain. La déception d'un homme. Putain. Bon, ça, je sais pas si c'était juste un gros monstre ou si c'était un petit boss. Mais je veux le tuer. On peut juste passer là. Attends, il y a mon cadavre. Et je crois que les deux veulent me tuer. Oh merde! Ah oui, il veut vraiment me tuer. Ah, j'ai récupéré mon fric. D'accord, donc en fait, quand on meurt. Alors, c'est pas une bonne idée de. Il m'énerve ce boss. Mais je peux pas passer. Oh merde! Merci pour le. Meurs. C'est vraiment la technique du pauvre, mais tant pis. Ça risque d'être long en fait. Je sais même pas s'il est tuable. On dirait qu'il prend des dégâts, mais. Eh merde! Ah oui, non, mais il enlève 2 points de vie. Et il attend gentiment, genre. Oh, bah tu te soignes. Oh putain, il est tuable. Il a donné pas mal d'argent. Et surtout, il m'a ouvert un passage secret, donc j'ai bien fait de me mettre là. Ok, alors là, non. Définitivement, c'est un non. Tu peux tomber, toi, de la plateforme ou pas? Je veux pas essayer, en fait. Arrête de dasher, putain. Et toi, arrête de sauter. J'ai dit arrête. Bon, on a tué notre premier gros monstre qui a déjà eu raison de nous. C'est bien, hein? On se sent vraiment fort. Je sais même pas où on va. Ça, c'est vraiment pas amusant. Il y a une porte. Ce qui veut dire que ça pue la merde. Comment esquiver le bordel? Et là, il y a quoi? J'ai peur qu'il y ait une porte qui se ferme. Non, c'est bon. Salaud! C'est bizarre. Oh merde, la voilà la porte. Non, c'est une vanne. D'accord, non, c'est pas une vanne. D'accord. Non mais là, ça fait déjà 2 boss, ça suffit quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh merde! Il est dégueulasse. Il fait un bruit dégueulasse aussi. D'accord, bon, on a trouvé comment le tuer. Non, arrête-toi. Je peux me soigner? Mauvaise idée. Ah là là! Non, tape pas. Non. Bon, ben là, c'était dessus. J'ai pas envie qu'il m'étourdisse sur le sol, c'est pour ça que je saute machinalement dès qu'il tape. Non. Reste là-bas. Ok. Bon, maintenant on attend et. Meurs, saleté de merde. Non, mais je peux pas me soigner. Ah si, là il va devenir taré. Vite. En espérant qu'aucun caillou nous touche. Putain, c'était chaud. Saute, merci. Oh là là! Parfois c'est vraiment tout près quand même. Hein. Et les cailloux qui lui tombent dessus, ils veulent pas lui faire du mal. Meurs, 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 meurs.
Putain, mais le bruit qu'il fait, quoi, il est insupportable. Non, mais c'est bon. Stop. Et tu... Qu'est-ce que... Meurs. Je crois qu'il est mort. Pff, il est trop facile, ce jeu vidéo. Ah oui, donc t'étais une petite merde, en fait. T'es nul. C'est quoi? Le blason de la ville. Ça veut dire quoi, qu'il faut que j'aille en ville? C'est quoi, ça? C'est quoi? Oh! L'argent! L'argent. Bon, c'était... Ouais. Attends, parce qu'il y avait une porte là-haut. Si je remonte, ça fait quoi? Est-ce que je vais pouvoir monter? C'est ça aussi le truc. Parce que parfois le jeu il voudra juste me dire non, non, il y avait une porte, tu fermes ta gueule. Et je peux pas. Tant pis. Il est facile ce jeu vidéo. Et maintenant je vais où là? Je sais même pas où je suis, putain. Il y a des bruits bizarres. Il y a du feu. Il y a des trucs un peu vaudou. Il y a des os, des squelettes. Il y a des visages partout sur les murs. Est-ce qu'on n'arriverait pas dans l'antre du cancer? Qu'est-ce qu'il y a là? Entrez. C'est si faux. Ça rend la merde, mais tant pis, on y va. Il y a un banc. Je me repose. Salut. Chaman escargot. Oh, oh, qu'est-ce qui sort de l'obscurité comme ça? Eh bien, tu m'inspires vraiment pas confiance avec ton étrange visage vide, ton arme à l'apparence redoutable. Quelque chose d'important a dû t'attirer dans les entrailles de l'honnête, mais je ne poserai pas de questions à ce sujet. Peut-être que la raison pour laquelle tu as réussi à me trouver est que tu as besoin de mon aide. Non, dis pas plus, mon ami, je vais te donner un cadeau. Un vilain petit sort. Ouais, alors j'appelle pas ça un cadeau. Cela sera tout simplement parfait pour un petit être comme toi. Ah mais il me file vraiment un truc. C'est ma première amélioration. Ah je suis tombé, je suis mort. Game over. Ah si. Esprit vengeur. Appuyez rapidement sur B pour libérer l'esprit. Ça consomme de l'âme. Ok. Eh mais je suis tombé où là? Il m'a enfermé. Salaud! Je te présente toutes mes excuses, j'aurais dû te prévenir du pouvoir de ce sort. Je veillais sur toi pendant que tu dormais, je me suis endormi aussi. Mais quel connard. Ah, on est amis. Bon, ben ok, pourquoi pas. Quel manque de respect, je te serais très reconnaissant si tu pouvais t'aventurer un peu plus loin là-bas et là-dessus pour moi. Ok. C'est une créature robuste, mais avec ton nouveau pouvoir, tu devrais largement pouvoir faire le poids. Eh bien, soit. Ah oui, ça déconne pas, par contre. Ah, mais ça consomme un taquet de magie, enfin, de mana, de ce que tu veux. Et là, je fais comment? Alors, la butte ancestrale. Je l'ai pas vu, ça. Ils me disent d'appuyer sur... Non, non, bah non, je pensais... Est-ce que je peux tirer en l'air? Je pense que oui. J'ai pas envie d'essayer parce que ça a cramé du mana, mais... Est-ce que... Non, c'est pas ça. Elle est où, la bébête? Elle est là? Est-ce qu'elle est là? Et ma carte dans tout ça. D'accord, j'ai appuyé sur un bouton, c'était pas ça. Ouais, ouais, mais je suis où? C'est compliqué. Donne-moi du mana, j'ai fait une connerie. Non, non, ok. Je sais pas où je vais. Alors, il est mort, mais j'ai quand même pris des dégâts. Pourquoi? Aucune idée. Là, il y a un truc, là. Ah ah! C'est quoi? Du mana. Alors, on va se soigner. Et maintenant, on va retaper. Et maintenant, je vais où?
Putain, mais décidément. Bon, eh ben, casse-toi, tu m'as saoulé. La musique est très hostile. Putain, c'est pas possible, quoi. Allez, cassez-vous, vous m'avez gonflé. Mais décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, elle est presque morte. Et là, ça passe, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais de travers? Est-ce que là, il y a un mur cassable? Non, c'est juste de la merde. Au revoir. C'est quoi ça? C'est de la lumière, c'est décoratif. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai un cœur bleu. Cool. Bon, bah, je sais maintenant l'existence. Ah, mais il y en a un autre que j'ai perdu de suite, c'est ça? Ouais, voilà. Et je l'ai reperdu parce que je suis nul à chier. Bah, ce fut de courte durée. On doit redescendre, j'imagine. Ah! Bonjour! Ah, bah donc lui, maintenant je peux le toucher! Salaud. Ah, faut être loin. Oh, ça va pas du tout être long et ça va pas du tout être chiant en fait. Non, mais ces bébêtes, elles sont insupportables. Putain, en plus, c'est. Mais. Mais. Mais tu me saoules, toi, avec ta connerie, là! Bon, on recommence. Oh putain, mais faut tout recommencer. Eh, mais c'est pas possible, quoi. Mais quelle idée aussi de se battre avec un cure-dent, quoi. Alors, je suis quand même reculé, mais je prends des dégâts. Je comprends pas. Faut vraiment que je comprenne la mécanique de combat, parce que sinon. Ça va être bien relou. Est-ce que. Les cœurs bleus. Ils ont été consommés ou pas au final? Mais qu'est-ce que. Non, non, mais non, je vais pas recrever. J'ai failli. Est-ce que ce jeu est vraiment fait pour moi? Mais ils se cognent entre eux, ces imbéciles, pour pas dire autre chose. Mais le moustique, lui, il te repousse, genre. Sauf quand tu tapes sur un axe vertical. Ah, il y a ça là. J'ai récupéré mon argent. Bon, allez, ton monstre de merde là. Ok, crache ta connerie. Là. Eh, mais le coup a traversé l'ennemi. Mais putain, mais c'est pas possible, quoi. J'y arrive pas. Bah, c'est tout. C'est quoi, ça? J'en ai marre de ce jeu. Un capture-âme. Équipez un charme pour activer ses puissants attributs. Pour équiper un charme, ouvrez le menu charme pendant que vous vous reposez sur un banc. Et comment j'ouvre mon menu charme? Charmé. Ça, parce que j'ai eu un charme? Soit. Et y a quoi là-haut là? Y a rien. Hé, connard, maintenant que j'ai tué ton truc, tu veux pas me. Ah, voilà. Elle a dû être terrifiée de toi. Oui. Tellement qu'elle m'a tué, mais c'est pas grave. Elle était assez docile. Non, non, c'est une connasse. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux le frapper? Adieu et aie confiance. Peu importe ce que tu cherches, ça te trouvera. Bâtard. Il est où mon. Ouais. Ok, pour équiper des charmes, appuyez sur ça. J'appuie sur ça. C'est quoi? Un charme utilisé par les chamans pour puiser davantage d'âmes du monde qui les entoure. Augmente la quantité d'âmes générées
En attaquant un ennemi avec l'aiguillon. Ah, c'est une aiguille, ah ouais, c'est pire qu'un cure-dent, quoi. D'accord. Donc j'ai des emplacements. Je pense que ça se débloquera avec le temps. Il y a quand même beaucoup de charme. Eh bien, soit on se casse, il m'a saoulé. Mais on a un nouveau pouvoir et donc on peut partir du côté, pas de chez Swan, mais de. Attends, c'était où? Ah oui, le vert, là, la forêt de merde. Sauf qu'on est venu là-bas. C'est quoi ça? C'est cool. Ça m'amène où? Eh, c'est quoi ça? Ah, mais c'était le vieux! Désolé de vous avoir manqué, si vous êtes perdu, pourquoi ne pas venir dans notre magasin à Dirtmouth pour acheter une carte de cette région, disponible maintenant à très bon prix. Eh bien écoute, on y va. Est-ce qu'il a laissé des papiers en mode je suis là-bas? Attends, attends, la carte. La carte, ce bouton. Ouais. Donc il y avait vraiment le boss et tout. Ce recul est relou. Ce recul est relou. C'est contre-intuitif en fait ce recul. C'est même pas logique. Non, non, je veux pas tomber. Niquez-vous les abeilles, vous êtes des merdes, voilà. En fait, j'hésite. Est-ce qu'on fait une. Pas une pause, mais. Est-ce qu'on fait un arrêt en ville? Ok. Bon, tant pis pour l'argent. Ça m'étonnerait dans un jeu comme ça, quand même, que l'argent soit une source d'ennui. Je suis tombé parce que je suis nul. Toi, je t'ai vu. C'est pas drôle. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Ouais! En fait, il sert à ça, lui. Il chialait parce que. Il n'y avait pas ses copains. Oh! Il me donne de l'argent! Donne-moi le pognon. C'est tout? C'est j'en ai trouvé un, donc tu m'as donné juste un pognon. Deux pognons. Ok, bon, bah ça sert à ça, en fait, les chenilles, à se faire du fric. D'un côté, c'est pas mal. Bon, maintenant, comment on remonte? Comment on remonte? Est-ce que c'est par là-bas? Je ne sais pas parce que de toute façon ma carte elle est cassée. Ah si, Dirtmouth, donc là je suis pas. Ah mais attends. On peut marcher, c'est ça c'est swag. On est allé là-bas donc on peut remonter. Ici. Putain, on va y arriver. Je vais aller au magasin du vieux. Il est où? Est-ce que c'était là? Jean, bonjour! Oui, c'est là. Ah, c'est sa femme. Elle est laide. Vous êtes venu acheter une carte? Oui. Il est encore dans les ruines. Il revient de temps en temps pour donner de nouvelles cartes à vendre. Mais je voudrais qu'il passe plus de temps ici. Tenir une boutique ne m'intéresse pas beaucoup. Eh ben, fais ta vie, bordel. D'accord, donc en fait, elle veut qu'on soit sa roue de secours. Et il y a plein de choses. Enfoiré, c'est quoi tout ça? Boussole murmurante. Ah ben on l'achète, oui. Ça, c'est quoi une plume? Tu en auras besoin si tu veux ajouter de nouvelles régions que tu explores sur ta carte. Écoute, tant que c'est pour faire des cartographies, je fais. Ça, c'est pour faire. C'est pour écrire qu'il y a un banc. Épingle de cocon. Les magnifiques cocons bleus. Ah, c'est pour les trucs bleus. Épingle de marchand. La station de coléoptère et l'épingle de source. Ben écoute, on a de l'argent, donc on va prendre beaucoup de choses. On peut pas tout prendre. Putain, il me manque 25. Quand je disais que l'argent, ça servait. Ça n'aurait pas été un problème, bordel de merde. Bon, pour l'instant, les cœurs bleus, je pense que c'est le celui qui n'est pas. Mais elle n'a pas vendu de carte. Bon. On va sauvegarder. On va parler au vieux. J'en salue le vieux. J'ai entendu dire que c'était un édifice étrange. Ah mais il faut une clé.
carte mise à jour. Ah, on met à jour notre carte quand on est là. Ah oui, en effet, ici, il y a un truc pour ce de carte, il y a un banc, la passe du roi. Ah, putain. Attends, j'ai un nouveau charme. La boussole. Ça dit qu'on est là! C'est magique. Putain, on va enfin pouvoir bien bouger dans le jeu. Bon, on va sauter pour aller plus vite, parce que là, je sais pas pourquoi il marche et c'est chiant. Donc là-bas, il y a une clé. Et maintenant, on va pouvoir aller dans le vert. Genre tranquille, c'est ça? Oh putain, une vraie carte, quoi. Avec l'antre des connards, là-bas, il y a les sources. Oh, c'est pratique! Ah bon, on se casse maintenant. On va aller dans le vert. Donc en fait, c'est bien ça. C'est comme Metroidvania, c'est pour une zone, t'as, on va dire, un pouvoir. Avec un gros boss. Et après, c'est à toi de démerder pour... Non. Saleté de mouche de merde. C'est à toi à trouver le truc. Oh mais non, mais il y a le tatou du cul, là. J'ai pas envie. Allez, envoie-moi un connard. Envoie-moi un tatou. Ça roule vite cette merde. Et bim! Alors maintenant, on va faire quand même attention de prendre tout l'argent. Parce qu'on en a besoin. Et ne pas tomber dans l'eau parce que je pense que tu décèdes. En tout cas, c'est très joli. Mais on passe notre vie à désherber des trucs, quoi. Très très joli. J'aime beaucoup. Y a quoi là? Y a rien. J'aime bien les trucs qui servent à rien. C'est trop calme. Ouh, vert chemin. Est-ce que... D'accord, en fait, il faut trouver la carte du connard. J'ai oublié son nom. C'est quoi ça, des oiseaux? Donc, faut trouver la carte du connard. Il y a un buisson. Oh merde! C'est un buisson. Un buisson qui marche. Ce qui est logique, vu qu'on est dans un biome un peu verdâtre. C'est quoi cette merde? D'accord, merci. Donc, en fait, faut trouver. Ah d'accord, ça pète deux fois, c'est encore plus drôle que drôle ça. C'est la double peine. La fameuse. Putain. Non! Ah la musique est trop cool. Y'a pas à chier. Alors lui il fonce. Bon ben au revoir. Non! Non! Je sais même pas où on revient. Ah. Meurs. Attends, il va exploser. Voilà, il est heureux. Est-ce que je peux aller là? Genre, ouf. Donc oui, comme je disais, je crois qu'il faut acheter la carte au monsieur. Ouf. Et après, on peut écrire dessus. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord. Ah, on peut la tuer. Bonjour. Sans le vouloir, je déjoue tous les pièges. Un petit buisson, là. Mais il n'y a rien. Bon, c'est parti. Le jeu est cool. Sauf quand il s'agit de taper des ennemis. Pour ça, on est nul. Ah, il y a de l'eau en arrière-plan. Mais j'ai d'une tranquillité. Oh, il y a un banc. La carte mise à jour. Ah bon? Ben non. Donc faut l'acheter. Oh. En fait, faut vraiment l'acheter au... J'ai cru que c'était cassable vu que ça fait un drôle de bruit quand j'ai tapé dessus. Ok, donc faut vraiment acheter la carte au vieux et après l'éditer nous-mêmes. Pourquoi pas? C'est un concept assez étrange, mais pourquoi pas? D'un côté, ça peut rester logique. Mais on n'a pas un papier, un crayon et une plume, et puis c'est tout. Et ça sert à rien comme endroit. Ah, oh, c'est qui?
Reviens! Ah oui, alors si je voulais descendre, moi là je suis servi. De toute façon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose là, si. Il y a un moustique qui est énervé. Ah oui, il est plutôt énervé. Hé, il y a du bonus. De l'argent. Et la musique est cool et je suis encore tombé tout. Ah, là, oui, je suis très très bien tombé là. Ça. On va plutôt utiliser le bouton caméra. Hein, et tuer cette merde. Putain. Mais il est où? Ah, il est tombé bien bas lui aussi. De l'argent. Faut toujours l'argent. Ce qui est chiant, c'est qu'on n'a pas de carte, donc on peut pas savoir où on va. Ah, ça me fait chier. Des moustiques énervés. Allez. Coucher. Ah! Mais putain, à chaque fois, j'ai l'impression que je peux taper dans le mur et, on... et non. Juste un élément du décor qui se détruit et ça fait chier. Ah, putain. Ah! Alors, tiens. Là, je ne le découpe pas, mais celui-là, je peux. Voilà. Allez! Ah! Bon, avant de me faire défoncer par le second. Meurs. Pourriture communiste. Le moustique énervé, le fameux. Oh putain, ça la one shot. C'est plutôt fort. C'était trop tentant. Oh putain, attends. Non! J'ai plus de mana. Rends-moi du mana. Merci. Ah, oh, ça fonctionne pas. Oh, la déchéance. Oh, mais il est là. Bah, pff. Écoute, tout va bien. Ah bah ça, je l'ai bien fait de le faire. Là, il y a un truc. Là, c'est pour monter. Ok, donc on a des, on va dire, dévoiler des passages secrets. Bon, allons voir le vieux, j'espère que c'est pas trop cher sa carte à la con. Il est où? Il est là! Salut! Cornifère, voilà, c'est ça. Cet endroit est un véritable contraste comparé aux routes oubliées. Si humides et animées, ces routes sinueuses sont une merveille. J'ai fait de mon mieux pour cartographier cet endroit. 60, putain. Ah non, je la veux. Si, si, je la veux, je la veux. Mais ta gueule. Mais, oui, je veux. Voilà, merci. Oui, j'ai rencontré un autre voyageur. J'ai voulu la saluer. C'était la fille, là, qui est partie. On est où, alors? Ah, putain, on voit quel truc. On bouge et tout. Mais c'est trop cool. Et il y a un être doté de... Je veux monter, comment on fait? Je suis sûr qu'on pourra grimper au mur, c'est pas normal. À moins que ce soit là. Oh putain! Eh hey, mais la lucidité du gars, quoi. Hop! Je te veux dans mon équipe! Voilà, comme ça, moi j'aurai de l'argent. Là, y'a rien. Allez, on se casse. Est-ce qu'on va aller en bas? Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais oui, le papier, regarde le papier. Bon. On y va. On est marre d'être nul. Un petit buisson. Merde, j'aurais dû le faire quand ils étaient en dessous. Là maintenant ils sont débiles. Oh putain. Non, toujours pas. J'essaye de voir. Ok. Faut vraiment attendre un minimum de tomber dessus. Vous êtes facile à tuer, messieurs dames. Dit-il après avoir pris deux hits dans la gueule. Alors là, il y a un caillou. Alors. Non. On verra après.
Que dit mon papier? Oh, le papier dit que par là-bas, tu ne sauras jamais où aller. Est-ce que je reviens dans une... Ah oui, d'accord, c'est une zone pas connue. Notamment de buissons. Oh! Bonjour! Ah, c'est le chasseur. Éprouvez-vous le besoin de traquer, de tuer, de comprendre toutes sortes de choses? Alors, de traquer, bof, de tuer, pourquoi pas, et de comprendre toutes sortes de choses, oui. C'est ton journal. Oui, d'accord. Ok. Ah oui, donc, le mec, il se secoue et ça fait un... Ouais. C'est quoi? Le journal du chasseur. Appuyez sur 1 pour ouvrir le menu et accéder à l'écran journal. Tuer des ennemis pour ajouter de nouvelles données. Oh, c'est un lore. J'aime bien les trucs de lore. Ah, je peux faire ça. Oh oui, la mouche vengeresse. En vaincre 23 de plus pour déchiffrer les notes du chasseur. Ouais. S'il faut tous les faire, ça risque d'être très long. C'est cool ça. Un moustique. Eh, c'était vraiment un moustique. Et ça, c'est un mange-saut. Ah oui, bah faut être un peu con pour. Des moussus instables, des moussus, des rampants moussus. Ancien Baldur. Salaud. Baldur. Un faux chevalier. Une carcasse de la défense. Oui, bon, allez, on s'en fout en vrai. On continue le jeu. Est-ce que ça a débloqué un. Non. Ah, mais il faut aller sur un banc pour débloquer le reste de la carte. J'avais oublié ça. Bon, eh ben allons en bas. Ah, mais y a un... Ben voilà. Je te veux dans mon équipe. Ils sont tellement heureux d'être des femmes. Non! Meurs! Oh oui, il est tombé, ça fait un énorme bidou. Le meilleur bruit du monde. D'accord, donc vous pouvez passer par là. Ah oui, mais il est parti à l'autre bout de la terre, salaud. Non mais reviens! Laisse-toi mourir. Le mana. Et là, il y a quoi? Bon, on dirait qu'il y a quelque chose. Il n'y a absolument rien. Est-ce qu'en dit la carte? Le premier qui me sort que c'est Dora, je le bute. Sans déconner. Voilà. Oh non! C'est le jeu, il a bugué, vous l'avez vu. C'est pas moi. Bon, nous continuons notre avancée dans les vastes terres verdâtres et... Bonjour à toi aussi. Ah, des ennemis relous. Note ajoutée. Ah, ça veut dire qu'on a découvert un ennemi, ça, je pense. Genre, t'as les premières notes, et après il te dira eh, bravo, tu as trouvé un autre ennemi. Il y a un trou là. Putain, c'est pas possible, nique-toi. Et là, il y a quoi? Ah ah! C'est quoi? Ceux qui s'éloignent des routes du roi blanc doivent faire face à la loi d'un. Bah écoute, j'en suis heureux. D'accord. Et là, il y a quoi? Est-ce que là, ma carte du monsieur, elle est faite ou pas? Pas du tout. Donc je suis en dessous d'un truc. Il y a quoi là? Écoute, on est là pour observer. Oh, il y a un banc! Petit banc! Donc maintenant, on voit notre belle carte. Oui. Mais apparemment, là-bas, il y a un truc, donc on va y aller. Vu que le... Ah! Vu que le monsieur, il sait où on va. Enfin, il nous a décrit que là-haut, il y avait un banc et il y avait surtout un truc à débloquer, je pense. Donc on remonte. Moi, je veux des pouvoirs, je veux devenir fort. Ah, saleté de mouche à merde. Est-ce qu'elle tire forcément en diagonale? Apparemment. C'est un pattern assez intéressant et chiant. Le buisson, je sais même pas pourquoi je l'ai pas touché. Bon, niquez-vous. Bon, je vais devoir. Oh là là! Eh mais! Mais tout à l'heure, elle m'a pas fait de dégâts. Alors que j'étais à côté d'elle.
le mange-seau. C'est bizarre, ce jeu est bizarre. Mais il est joli, il est cool, et puis la musique, l'ambiance, putain, l'ambiance. Il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes, hein, comme disent. Pipi, pipi, pipi. À voter. Meurs! Mais non, reviens, salope. Ben voilà. D'accord, c'était pas un boss. C'était juste un monstre ordinaire. Bon. Je vais voir ce qu'il y a en haut. Est-ce que c'est utile? Non. Le mec qui regarde sa carte. Est-ce que c'est utile, Jamy? Non. Je peux pas y aller de toute façon. Eh ben, va te faire foutre le jeu. L'information va te faire foutre. Un buisson. Donne-moi du pouvoir et du mana. Voilà, c'était obligé, un truc tout plat qui est une chenille dégueulasse. Non, non. On va te faire foutre. Oh non, mais... C'est le congrès? C'est le congrès des grosses touffes ou quoi? Putain, je l'ai touché qu'une fois. Ah, mais il y avait pas la madame là-bas? Si, elle est là! Madame, tu veux pas m'aider? Oh, bah, c'est ça, casse-toi. Ah, bah, voilà. Je trouvais comment les buter, ces trucs. Un buisson. Et là-haut, il y a quoi? Est-ce que la carte dit oui, il faut aller là ou pas? Elle dit de pas y aller. Mais s'il faut, il y a un objet. Ou alors, c'est un raccourci. Pff, j'en sais rien. Et je l'ai pris quand même. Là-bas, il y a des ronces. C'est quoi, ça? Des papillons de l'amour et de la vérité ou des mini-lucioles? Ok, même pas. Les trucs me détestent. Pourquoi je les aurais fait? Alors, je pense qu'il y a tout un truc à faire. Et que voilà, je suis bloqué. Ah, il y avait un truc là-bas. Mais je peux pas y aller. Non, bah, faut des pouvoirs, je pense. Que je n'ai pas encore débloqué, donc on se casse et vite. Zat Moldu. Qu'est-ce que... Et bim! Et péter sur ton pote, ça peut pas m'aider? Ah, j'ai activé mon bouton un peu trop tard. Je sais pas où je vais, mais alors j'y vais, mais d'une force. Hein. Et un buisson. Oh putain. Et il y a ça aussi, la connard. Et mais à quoi ça sert ça? Dis-moi quoi. Non! Yo, ce connard de buisson. Non mais please. Je vais arrêter de jouer. Libérez-moi. Ah, il y a des buissons. Ah, il y a des buissons verticaux maintenant. Bah écoute, pourquoi pas. Mais je sais même pas où je vais. S'il faut, je vais dans le vide. Tellement de moustiques. Aïe. Oui, stackez-vous là. Tous morts, sauf un. Mais ce n'était pas un éternel gaulois vu qu'il est mort. Et je veux des bonus, moi. Bon, déjà, on a une boussole. Franchement, la boussole, elle est complètement niquée de la tête. Et on est où, là? Putain, bon, ça me saoule. Mais là, on revient sur les... Sur les routes, là. Sur la route, oui. Ah, putain, mais... En fait, si je continue... Non. Si je continue par là-haut, en fait, je peux atteindre le boss, mais d'une autre façon. Le boss ou ce qui s'y prête, je m'en fous. Ah, il y avait une fleur, je le savais. C'est obligé, il y a toujours des fleurs là où il y a de l'argent. Fleurs, bande de cupides. Salope. Est-ce qu'il y a une sortie par là? Oui.
Est-ce qu'il y a un banc? Est-ce qu'il y a un banc de l'autre côté? Mais là, il y a quoi? Bon, il y a des choses, on s'en fout. On veut aller là-bas. Ça veut rien dire. Non! Ah, tellement de buissons! Mais cassez-vous, putain! Ah! Ah, du mana. Non, au lieu de taper comme un mongolien, voilà, fais ça, c'est plus rentable. Alors, je suis perdu. Je suis tombé de là, mais je sais plus comment retourner. Ah, là. Il y en a deux. Niquez-vous. Allez, on monte. Cette fois-ci, on tombe pas. Non, mais. Aidez-moi. Je suis trop con. Quand ça veut pas, ça veut pas. Putain, mais. Je pensais que c'était comme son pote qu'il allait à deux à l'heure. Oh là là. Je suis tombé. Il y a un buisson. Putain, mais. Comment ce buisson est arrivé là d'ailleurs? On est passé par là, il s'est même pas activé. Salaud. Mais il y a un banc. Je veux le banc. Il est où le banc? Non, ça c'est pas le bon bouton. Ah oui, mais le banc il est un peu bas. On s'en fout, on va chercher le banc. C'est le YOLO le plus total. Oui, le banc. Hé! En fait, il fallait trouver un autre coin. Oui. Ah putain, mais c'est sérieux, c'est une machine avec un banc. On paye pour aller au banc. Non, mais c'est une vanne. Messieurs, dames, c'est une blague. Est-ce qu'il fallait vraiment faire le tour pour arriver jusqu'ici? Personne ne le saura. Sauf si vous recommencez le jeu à ma place et que vous passez par en bas. Comme je ne l'ai pas fait. Oui, voilà, très bien. Fous-moi la paix. J'ai pas besoin de tous vous assassiner. Même si le jeu voudrait que je finisse le journal du chasseur, le fameux. Putain, à part lâcher des grosses caisses, tu fais quoi de ta vie, toi? Ok. On va là-bas. Le mec il cherche pas. Parce que la carte elle a dit que. Oui, la carte elle a dit que, donc on s'en va. Ah, et en plus y a un. Mais on peut pas y aller! Non! Putain, faut faire le tour d'un autre côté. Donc je disais, évidemment, on va par là. Y a pas un mur invisible, un truc pour rejoindre de l'autre côté. Il faut que le mur invisible soit là. C'est quoi ça? Ah, les cœurs bleus de l'amour et de la vérité. Oh putain, j'en ai tué deux. Prends deux cœurs bleus. Je sais pas ce que je fais. Ah oui, un truc bizarre là. Autrefois, le plus grand penseur arrivait de la feuille et a créé ses cavernes. Quoi? Dans chaque buisson et chaque vigne, l'esprit d'un nous apparaît. Putain, mais c'est vraiment les pierres je sais pas quoi. Non. Alors, je peux ressortir de l'autre côté? En espérant trouver la sortie. Bonjour, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Est-ce que ça m'a reculé ou ça a reculé le truc? Ah non, ça a vraiment reculé! C'est un boss. Sale con. Ah, je peux faire. Mon Dieu, qu'il était nul! Ah, il était très 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 nul. Bon, on va avancer un tout petit peu et après je vais faire une petite pause. Une petite pause. J'aimerais bien rejoindre l'autre côté. Parce que je veux mon bonus, je sais pas ce que c'est d'ailleurs.
Ok, on peut aller là-bas. Mais c'est... Le changement de zone, par contre, est magnifique. On le notera. Mais est-ce que ça veut dire que mon bonus, il faut que je continue par là-bas, par exemple, pour l'avoir? Je sais pas. Bon, on va au bout de cette carte. Et je vais faire une pause. Bah dis donc, sans discussion très énervée. Eh, on peut repartir dans le vert. Ouais, c'est ça en fait, les transitions sont super jolies. Bon, j'ai dit qu'on arrivait au bout de la carte et qu'on arrêtait. Donc on fait une petite pause et on reprendra, je sais pas, dans 5 minutes. Allez, 5-10 minutes. À tout à l'heure. Heureux! Après avoir bu, épicé, et pas l'inverse. Sinon, c'est dégueulasse. On se retrouve sur. Ah, Hollow Knight! Putain, mais ces chenilles de l'enfer, elles sont reloues. Arrête! Ah! Oh! Ah, j'ai encore trouvé un truc bizarre. Les enfants verts sont passés des rêves à cette terre. Ici, nous entendrons patiemment l'appel du retour. Mais je comprends pas à quoi vous servez, excusez-moi, mais. Où on va? Non, c'est pas ce bouton là. Si, j'ai la carte là aussi. Oh, c'est joli, c'est bien fait. Ah! Donc je peux aller là-bas. Alors, il y a le garde le plus inutile de la terre, qui était vraiment nul, hein. Disons-le. Oh merde, il est moins inutile. Ah, on peut parer. Ah! Non! Il va me tuer. Il y en a un autre. Bim! Connard. Oh, tellement d'argent! Voilà. Et comment il me touche? Je comprends pas. Je comprends pas. Ou alors c'est moi qui suis trop con ou. Allez, on va se mettre là. En espérant qu'il nous crache pas dessus. Ah, le fait de tomber dessus, ça me. Arrête! Paf! Et bim. Ce jeu est trop simple. Je dirai ça au prochain boss aussi. Et nous nous échappâmes vers de nouveaux aventures. Putain. Mais pourquoi il y a des endroits comme ça qui existent et qui servent à rien? Bon, tant pis. Est-ce que là, c'est là d'où je viens ou je pars? Mais oui, c'est de là. Non. J'en ai aucune idée. Mais il y a bien un chemin qui va sur le côté. Alors c'est peut-être pas là, c'est encore plus en dessous. Idiot de la lune. Oh non, ils sont revenus. Cassez-vous, merci, au revoir. Ah, allez, au revoir, chenille. Oui, là, c'est ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Ah, la madame! Salut! D'accord, bonjour. Je t'ai vu te faufiler dans les broussailles pour me traquer. Non! Cet ancien royaume, j'ai beaucoup trop tardé à revenir. Maintenant, une chose horrible se réveille. Je peux le sentir dans l'air. Je sais ce que tu es. Je sais que tu veux essayer de faire. Ah, d'accord. Je ne peux pas le permettre. Mais je veux rien faire, je sais même pas ce que je fais. Salope. Mais elle est trop rapide.
Comme toi, Hornet. Alors, tu vas te calmer! Je vais mourir! Oh non, je reviens au banc là-bas. Ah, pour ça, le jeu est relou. Casse-toi, mais putain. Et si je remeurs? Est-ce que mon ancien fantôme est... Il est bousillé, ou... Est-ce que je peux repartir? Ça fait plusieurs fantômes, j'en sais rien. Argent. Putain, faut que je refasse tout le tour parce que j'ai oublié évidemment d'activer le machin. Je suis idiot. Eh bien, on repart. Non, alors toi, tu vas te faire foutre, hein, merci. Attends, mais il y a un truc là. Il y a absolument rien, encore un endroit qui sert à rien. De nombreux. Les fameux, les meilleurs. Non mais faut refaire tout le tour, c'est relou. Argent? Non. S'il faut, il y a des trucs à débloquer ici, mais... Flemme, je vais d'abord tuer Hornet. Est-ce qu'on va la tuer? Est-ce que c'est un de ces jeux très... Oh oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Non mais, calme ta joie, putain de jeu. J'aurais dû laisser ce vieux connard crever. Il est là, il gît par terre, genre, je suis nul. Évidemment, je l'ai raté, sinon c'est pas drôle. Je l'ai encore raté. Ok. Non mais, parfois, je comprends pas. Mais putain de merde! Recommence. Mais quel vieux connard lui aussi, il pouvait pas se démerder. Oh là là, je suis tellement énervé que maintenant faut que je retape tout. Mais casse-toi, toi, putain. C'est à cause d'un vieux connard, quoi. Le type il est mort quoi. Attends, mais ici on n'y est jamais allé. Est-ce que c'est là où j'ai découvert? Ouais, voilà. Non, ça m'amuse plus. J'ai décrète que ce jeu est nul. Bande de crotal. Non, bah ici non, faut se retaper tout le tour. Là, il y a le monsieur tas de feuilles, là, il est laid, hein, télécasse-toi. Ensuite, on passe là-haut. On peut pas sauter parce que, bon, on est des glands. Et là, il y a le vieux. Est-ce qu'on retente le vieux? Mais il n'y a pas un banc plus près, quoi. J'en sens déconner, quoi. Si on fait attention, on peut le tuer ce vieux con ou pas? Enfin, pas le vieux con, mais...
Ah, si tu en le vieux con. Il est même pas là-bas. Allez. Les mouches, ça dégage parce que ça me saoule. Putain. Il n'y a pas mon fantôme qui traîne. Si. Donc je récupère rien. 17. Bon, cette fois-ci, on se concentre. Il n'y en a qu'une, what the fuck. Putain, mais... Elle a pop en... à la même place que ce boss de merde. Sinon, je peux te toucher ou ça se passe comment? Oh putain, c'est pas possible. Ta gueule. J'ai con... Elle a combien de vie? Oh là là. Ouais, super, je suis heureux, quoi. Mais putain, mais aide-moi, toi, fais un truc. Putain, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Meurs! Tout ça pour de l'argent, quoi. Ah, mais t'es là! Mais putain, t'aurais pas pu m'aider, espèce de connard. Non, mais c'est une blague, en plus. Je déteste ce genre de mec. Zot, le redoutable. Ouais, ouais. Quoi, c'est tout? Alors, en plus de ça, c'est un connard. Bah alors toi, mon pauvre. Mais tu peux rêver pour que je t'aide à nouveau, quoi. Et là, y'a rien, bah non. Ok, on se casse. Alors, avant d'aller voir cette connasse d'Ornette, on va descendre... Allez. On va aller voir là-bas si j'y suis pour... Putain de merde. Eh mais vous êtes rapidement chiant en fait. Oh. Putain. Me crache pas dessus ou je vais m'énerver. Non! Tu veux pas mourir? Putain, mais c'est pas possible, quoi, d'être aussi nul. Oh non, je vais éternuer. Ok. Voilà. Je te veux dans mon équipe, petit machin. Allez, ça c'est fait au moins. Si je remeurs comme une grosse merde, eh ben j'aurai de quoi faire. Ah, mais il y a un skag là-bas, là. Enfin, un skag. N'importe quoi. Un coléoptère. Donc, qui dit coléoptère dit banc. Qui dit banc dit la joie du cul. Ah, putain, oui. Là, je suis heureux par contre. J'ai pas de mana. 140. J'ai pas assez, il me manque 6. C'est pas grave, il y avait un banc au moins. Allez. On va voir Ornette. La saloperie d'Ornette. Elle est trop rapide, elle est relou. Ah oui, d'accord, donc c'est Tu m'emmerdes! Et ça m'a fait rire. Arrête ça! Arrête de m'emmerder! Non! Est-ce qu'elle a un bruit pour chaque attaque qu'elle fait? Oui, je pense. Donc déjà, si on peut le... Si on peut la... C'est tout! Tu pues! Ah non, c'est pas tout.
Non, on peut pas l'analyser au bruit. Oh putain. Ah, l'aiguille du cul. Non! Je vais me soigner, connasse. Putain, j'aurais pu. Et là, je peux pas. Parce que je suis nul. Vite. 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 Vite! J'ai une petite allonge. Ah d'accord, bah soit. Ah! Arrête de sauter partout, espèce de dinde! Espèce de pintade à la con, quoi. Oh mon dieu. J'ai cru. Tiens! Mais t'as... elle va arrêter de gueuler ou... C'est insupportable, putain! Mais merde! Je vais encore mourir comme une merde. Non! Non! Putain, c'est pas possible, quoi. Oui, oui, oui. Dis ce que tu veux, je m'en fous. Ah, putain, tu fais chier, quoi. Mais ça la fait rire, quoi. Bim! Meurs! Non, mais c'est pas possible, faut faire un truc. Ah, j'ai une idée. Est-ce que quand elle est à terre, faut lui dire « ferme-la » ? J'ai une idée. Oh, putain de merde. J'ai raté. Oh là là ! Non ! Dégage ! Non ! Mais putain, mais c'est pas possible ! Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Aïe, il y a une phase où elle... Il y a une phase où elle m'emmerde complètement. Il y a une phase où elle se repose. Est-ce qu'il faut faire un truc spécial? Genre l'attacher ou lui enfoncer notre épée dans le visage? Et j'ai encore perdu mon fric. Ah, salut. Mais attends, est-ce que mon fantôme a été écrasé? Je pense que oui. Oui, Gababa, oui. Mais ferme-la! Pourquoi je me suis soigné? Ah merde, le retour. Non, elle s'en fout. Putain, je pensais que c'était ça. Bah, je pense que c'est juste un boss qui est très long. On va réessayer. Mais ferme-la. Tu m'emmerdes, connasse de merde. Non, elle s'en fout comme de l'an 40, quoi. Oh non. Au secours. Non! Tu m'emmerdes! Putain, mais c'est pas possible, quoi! Elle m'emmerde! Et ça fonctionne pas, le pouvoir contre elle! Et le jeu, il doit être en facile, en plus, c'est ça qui est chiant! Je suis énervé! Ah, l'idée du pouvoir était une bonne idée, mais malheureusement, c'est de la merde! En plus, on arrive, on a pas un pet de mana. Bon, faut juste l'esquiver, allez. Mais putain, mais con! Mais putain, elle s'arrête en plein milieu parce qu'elle m'emmerde, elle m'emmerde, j'ai déjà perdu 3 points de vie. Oui, chat, oui. Oui, fais ça, fais ton chat, là. Avec ton aiguille à tricoter, quoi. Attends, moi, je me bats avec un cure-dent, elle avec une aiguille à tricoter, c'est quoi? C'est les fighters de l'extrême, quoi. Ok. Non! Bourrine! Non! J'ai pas sauté...
tu m'emmerdes. Putain, c'est pas possible. Elle enchaîne un peu trop vite à mon goût. Bim. Arrête de faire chier. Connasse. Oui, chat, oui. Si tu voulais jouer à chat, il fallait pas autant m'emmerder, quoi. Tiens. Elle s'en fout. Vous avez combien de vie? Oh putain, c'est pas possible. Bim. Mais meurs. Mais putain, mais fais un truc. Oh putain, mais maintenant, c'est quand je saute. Non. Oui, voilà, tu me touches pas. Moi, je me soigne, on est bien. Et tu prends ta tannée de... Il fallait que j'en rentre dedans, sinon c'est pas drôle. Mais putain, mais c'est pas possible. Puis y a un truc mort, là. Elle a tué quelqu'un, en fait. Salope. Oh, oh. Tout ça pour ça, mais nique-toi. La fille, elle me fout en PLS, elle fait... Non, c'est bon. Cap d'aile de papillon. Appuyez sur RT pour faire... J'ai cassé le jeu ou... Ah non. Voudra-t-il briser les sceaux? Ils ne peuvent être défaits. Ils doivent être défaits. Ben, s'ils peuvent pas être défaits... Que... Bon, bref. Petite ombre, laisse-nous dormir. Retourne dans les ténèbres. Laisse-nous en paix. Non. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, ça ressemblait au masque qu'il y avait sur le gros cocon de mon cul, là. Au début. Et c'est tout. M'en fous, j'ai un dash. On peut voyager plus facilement. Oui, c'est trop bien. Je suis tombé. Ah non. Ah mais... Ah ah. Ah putain, c'est trop bien. On a un dash, on peut faire des choses. Ah. Ah. Ou tomber dans l'eau comme une merde. On peut faire ça aussi. Ah, j'ai un point de vie. Les boss de ce jeu sont incroyablement relous. Mais cool. Mais je suis où, là? Ah, là, c'est pour repartir. Non, pas dans l'eau. On peut aller voir là-bas, quand même, ce qu'il y a. Et... il y a un lampadaire. Il y a la lumière. Je suis baigné par les étoiles. Et je découpe l'herbe. C'est un simulateur de découpage de feuilles. Ah, le lac d'Ain. J'entre dans le lac d'Ain. Le lac de la dinde, putain, c'est quoi ça? Oh bonjour, il semblerait que nous soyons tous deux éloignés du sentier. Oh, mais c'est Quirrell, j'ai cru que... Quirrell, il a l'air bien. Tu veux pas m'aider à péter la gueule à l'autre pétasse? Parce que je sais pas ce qu'elle fait là. Je vais pouvoir profiter d'un moment de répit. Eh ben, écoute, on va faire pareil. Oh! Et on va lire notre carte. Eh bien, ça ne sert à rien, le lac d'Oun. J'en ai plein le cul. Ça, c'est ta faute. Me casse. Bon, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du lac d'Oun? Est-ce qu'il y a un truc... J'aimerais le pousser dans l'eau. Oh putain, je l'ai fait! Mais c'est génial! Oh putain, mais oui! Ah, c'est drôle ça, tiens! Il est bien tombé comme un caca! Ah, mais pour se déplacer plus vite que le vent, c'est génial ça, attends! Il est plutôt pratique ce dash! Je vais me foutre dans l'eau avec, mais. Ah! Oh. Maintenant, on va où? Parce que grâce au dash, où c'est que je peux aller? En fait, d'un côté, il y a plein de trucs là-haut qu'on n'a pas visité. Et en bas aussi. Bah écoute, on va en haut parce que... Vaut mieux être en haut qu'en bas. Évidemment, tout dépend de la position. Non, mais nique-toi, je veux lire ma carte! On va aller vers là-bas. Non, je vais essayer de monter par là-bas.
Parce que j'ai ma petite idée. Putain, hey, c'est mouche quoi, mais c'est l'enfer du cul quoi. Mais non, c'est pas ce bouton. Oh là là, mais c'est pas possible quoi. Soigne-toi, petit bonhomme. Ah ben voilà. Ah, un petit bonhomme. Et je me suis tombé. Je me suis tombé. Pourquoi pas? Je voulais pas aller là. Moi, je voulais aller en haut. Et je pense que de là où je suis, il va falloir que je me retape tout le tour. Pourquoi ce jeu veut ma mort? Moi, je décide de jouer à un jeu de la Team Cerise. Je pensais que c'était vraiment quelque chose de cool. Et en fait, non. Je me retrouve à me faire chier. Bon, et maintenant, on est où? J'ai failli tomber. Alors, la carte. Ok, c'est une nouvelle zone. Il y a des pics partout. Oh là là, il y a des stalactites aussi. Il y a des bonhommes qui meurent. On s'en fout. Très bien. À quoi servent ces pics dans ce cas-là? Je vous le demande, putain. Et à quoi sert ma vie aussi, je vous le demande? Ah, j'aurais dû retourner à la station. Pour aller dans la ville et acheter des trucs. Olé. Il y a un truc là, mais comment on l'atteint? Je suis un génie. Il y a absolument rien, je suis pas un génie. Est-ce que c'est par là d'où je viens? Non. Si. C'est par là d'où je viens, pas vrai? J'en ai marre d'être con. Et on recommence parce que je suis un bouffon. Moi, je veux des améliorations de l'arme, en vrai. Non! Se déplacer, c'est bien, surtout pour esquiver les ennemis, ça va être pratique. Oh putain. Je pense que je suis tellement énervé que j'arrive même plus à sauter. Ah d'accord, fallait dasher. Là par contre, j'ai pas vu. Voilà. Eh, un coffre! J'ai bien fait de venir ici. Non, c'est une blague! Tout ça pour. Non, là c'est une vraie blague. Non, là c'est la blague. C'est la pire des blagues. Non, non, là c'est une énorme blague. Comment tu veux que je survive à ça? Ok. Je veux vivre. Oh, faut d'elle, vite. Mais j'ai peur, là, moi, maintenant. Tu m'envoies un monsieur? S'il te plaît. Ah. Ok, j'ai 2 points de vie. Allez, envoie-moi un caca. Non, s'il te plaît, un dernier. Ah putain, mais oui, quoi. Et là, je sors comment? Bon, on verra plus tard, je m'en fous, là. Ah, j'ai réussi, je suis pas mort. Les gens ne pourront pas se moquer. Et ça, c'est un... J'aurais bien fait d'aller là avant. Une carapace de Baldur. Ah, c'est un beau clé. Je vais aller là-haut. Je peux pas. C'est tout, j'ai tout compris au jeu. Mais je vais mourir là, putain! Non! Non!
Mais quel boulet de merde, mais c'est pas possible. Non, je vais repop au... Oh putain. Bah c'est comme ça, je vais encore... Oh non, il est... Ah, il est mort, le type. Allez, on repart. Putain, mais c'est pas possible, ça va être long, mais long. C'est quoi ça? D'Adeco. Je voulais pas mourir. Ah mais c'est surtout que là, si je veux mon fric, il faut que je reparte là-bas, quoi. Alors attends, c'était où? Je suis parti en haut. En même temps, il n'y a pas trop le choix, j'ai l'impression. Oui, il n'y a pas le choix. Je suis perdu, mais alors d'une force. Hein. Putain, mais je dois tout refaire, mais c'est pas possible, quoi. Olé. Je sais pas c'est où. Ouais. Ah oui, il faut que je passe par là parce qu'il faut que je sois sur le haut de l'écran. Putain. Ah mais je vois ma mort. Alors, après la chenille. Oui, on voit où je suis mort, il y a 2 yeux. Je suis quand même la déception. Satané de mouche. Ce jeu est trop punitif. Bon, je demande pas un truc facile non plus, hein. Mais c'est punitif. Et c'est relou. Ça aussi, c'est relou, quoi. Moi, j'ai recul, les ennemis, non. Je suis tombé parce que je suis une brêle. On se calme. Et on reprend ça tranquillement. Non, s'il te plaît, fais pas chier. Voilà, merci, au revoir. Voli où, mon fantôme de merde? Ah bah oui, bah je peux même pas voir ici. Il est là-bas. On souffle un grand coup, on souffle un grand coup. Non mais c'est pas possible! Elle est où ma truc de merde? Elle est là. Ok, on se casse! Ah mais j'aurais peut-être pu équiper mon truc de balle dure ou je sais pas quoi là du cul. On se casse et vite! On va retourner voir le... Ah, je sais pas ce que je fais. Voilà. Où on va maintenant? Un banc! Mais ça serait bien d'aller en ville en vrai. Ouais, on va aller. Non, pas là. On va aller là-bas. Là que j'ai ouvert le chemin. Le chemin, le chemin, le chemin. Non, là j'y suis déjà allé. Voilà, c'est là que je vais aller. Oui! Alors, mes badges. Ce charme octroie à son porteur une carapace renforcée lors de la canalisation de l'âme. La carapace n'est pas indestructible et sera détruite à pas. Alors, ça peut être intéressant, mais on perdrait ça. Sachant que. Aïe! Sachant que ça, c'est mieux quand même. On augmente la quantité d'âme générée en attaquant un ennemi. Et c'est plutôt cool pour se soigner en vrai. Est-ce que je peux payer maintenant? Oui, laissez-moi payer, je veux payer! Bonjour! Bon. Viens, Jean-Yves. Il s'appellera Jean-Yves. On va à Dirtmouth. Ouh, c'est fancy. C'est rapide. Pourquoi je suis un connard comme ça, sans déconner? Allez. Et ça, c'est quoi ça? J'ai bien fait d'aller là.
Ça ouvre une porte. Cette porte, elle est où? Eh ben écoute, pourquoi pas. Salut le vieux, t'as un truc à me dire? Oh là là, mon Dieu, non. Non, de toute façon, on s'en fout. On va aller voir le monsieur de... Ah! Ah, gna 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 gna, oui. Voilà, j'en dirai rien parce que ce personnage m'énerve. Alors, par contre, toi, t'as des trucs à vendre, ma petite, ou quoi? Salut. Ah, il y a juste ça. Bon, bah, faudra revenir encore. Genre, surtout quand on verra le son vieux, quoi. Alors, maintenant, on va où? Bah, je ne sais pas. Est-ce qu'on repartirait. Est-ce que c'est payant tous les voyages? Ou c'est juste de débloquer la cloche qui est payant? J'espère que c'est ça, parce que sinon le jeu revient cher et c'est pour ça qu'il faudrait fermer l'argent. Ok, d'accord. Donc on va à Vershemin. Nous allons à Vershemin. Nous allons au sanctuaire. On re-sauvegarde parce que la sauvegarde c'est la vie, n'est-ce pas? Sinon on meurt. Jean-Claude Van Damme, arrête-toi. Bon, on peut descendre là. Allez, on descend. Est-ce qu'il faudrait pas tuer pour avoir de l'argent? Parce que l'argent, c'est la richesse. Bon, ok, on arrête Jean-Claude Van Damme. C'est vraiment pas drôle. Faut boire de l'eau. Putain. L'eau, il y en aura plus dans 20 ans, donc faut la boire. J'adore l'eau. Mais j'ai dashé, putain, j'ai dashé. Ça m'apprendra à faire une JC. Salut! Jean-Claude Van Damme. Ah. Pourquoi ce mec existe? Il est trop fort. Donne-moi l'argent, je me casse. Ah! Encore une fois. Putain! Eh, sans déconner, les mecs, quoi. Et si on mettait une fleur là où il y a l'interrupteur, ça va être rigolo. Ah, donc en fait, on pouvait vraiment pas passer par en bas. Ah putain, je l'ai vu après, quoi. Le mange-saut, le fameux. Ta race. Ouh, il y a des ronces. J'aime pas les ronces. Qui dit ronce dit plateforme. Qui dit plateforme dit. Non, j'arrête. Ça commence à devenir un peu redondant. Bonjour! Quel est donc cet énergumène? Je ne peux pas aller là-bas. Et toi, Jean-Yves, peux-tu y aller? Non. Je croyais en toi, Jean-Yves. Tu me saoules. Je me casse. Et on s'en va. Ah, le fameux caillou qui sert à rien. De la mousse et de la feuille, notre vie est tracée. Tant qu'il pousse sur le sentier, nous ne fléchirons jamais. Hashtag JCVD. Je sais pas à quoi servent ces pierres. Bon, j'imagine que là, je peux pas y aller. C'est de la ronce pure et dure, voilà. Donc on fait le tour, n'est-ce pas? Oh, merde! Ah, d'accord, il y avait des plateformes, je les ai pas vues, j'ai cru que j'allais mourir. Alors, où on peut aller? Bah, apparemment, on peut rejoindre le sentier là. Ou alors, il y a peut-être un truc en bas. Ah ah, du mona. Et c'est tout. Très bien, soit, on s'en va. La musique, elle est. Je me suis encore trompé de bouton. Hey, mais il y a un truc là, il y a un cadeau, je l'ai vu. Alors, je ne sais pas comment faire. Je pense qu'il faudra un truc genre un double saut. Ou peut-être nager. Bon, je pouvais pas sauter parce que je me grattais la tête, sinon c'est pas drôle. Ah,
On est où là? Putain de buisson de... Je croyais en toi. Pourquoi tu veux ma mort dans ce jeu à la con? Y'a pas... Ah non, y'a que Quirrell qui veut ma... Qui m'aime bien apparemment. Il me dit oh, salut, t'es le pote proposeur, on va dire quoi. Je suis sûr qu'il va nous la mettre à l'envers à la fin du jeu ou... Putain. Alors, on se protège, on se soigne. On prend notre revanche sur cette con de ta mère. Merci bien. Et on se re-soigne. Et on fait comme si de rien ne s'était passé, à part qu'on a perdu une vingtaine de secondes, n'est-ce pas? Ça sent la diagonale. Oh, double diagonale. C'est pas très sympa, ça. On se casse, putain, on se casse. Est-ce que maintenant on peut aller là? C'est quoi ça? C'est nouveau, ça vient de sortir. Est-ce que je peux lui renvoyer les boules? Oh putain, oui. Ah. C'est quoi? C'est des morts. Bon, bah. Allez, paf! Bon, ok. Et pouf. La lucidité de la personne. Ah merde. Bon, tu me saoules, tu sais quoi, je suis pas obligé de te tuer. Voilà. Alors, ici, on a quoi? On a des gens qui courent. Et il fait noir. Bon, on reviendra après. C'est flippant. Non, mais je suis sûr qu'il doit y avoir un truc au bout. C'est juste que je veux voir ce qu'il y a vers là-bas, quoi. Allez! Oh, c'est joli. Laissez-moi passer. Non, je suis tombé. Non, je suis sûr qu'il y avait un truc là-haut. Et là, il doit y avoir... Là, il y a la mort. Là, vous voyez, il y a un gros buisson. Salut! Pourquoi je l'ai activé, moi aussi? Je suis complètement con. Ah oui, donc elle est super énervée. Oh non. Mais arrête. Mais putain, mais elle est grosse. C'est Mélissandre. C'est Mélissandre, elle s'est roulée dans les feuilles, putain. Mais c'est pas possible. Stop. Si elle saute là, genre sauver Willy, je suis en... C'est par en bas que je veux taper. En fait, c'est facile. Enfin, c'est facile. Faut juste que je la... Que je la bourrine. Putain. Elle m'énerve. Regarde, je perds un point de vie, j'en regagne un derrière. J'aurais pas mis le truc du chaman, et ben je mourrais. Non, mais... Eh, c'est pas possible d'être aussi bête comme... Oh non! Oh non! Ah ça non, par contre ça me plaît pas. J'en ai marre. Oh. Et je suis encore à Babelwed, n'est-ce pas? Putain, eh hey, mais c'est dingue. Eh hey, je vais arriver à faire un truc dans ce jeu ou pas, sans déconner quoi. Et on repart de zéro. Et ça devient long. Ça devient long, la nullité. C'est... En même temps, quand on est nul, on assume ou on n'assume pas. Bon, on descend. Allez, on va essayer de faire ça vite. Bonjour les fleurs, on s'en fout. Au revoir, au revoir. Bonjour, au revoir, bonjour. Bonjour. Ah là là. Je peux pas dasher. Oh, bonjour. Non. Je lui avais déjà dit bonjour. Faut dire bonjour parce que sinon on se fait niquer sa mère. Donc... Comme j'ai envie de laisser ma mère là où elle est. On dit bonjour. Alors, là il y a une salope, voilà. Là il y a une salope. On s'enfuit. Oh non, et on tombe. Si on revient au tout début de la... Non, c'est bon.
Ah là 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 là. Bon, faudrait penser à se soigner un jour. Mais ce jeu est dur. Ah, sur ça, on peut se soigner. Il y a une fleur qui m'a mis en PLS tout à l'heure. Corinne! Ça, c'est parce que j'ai appelé le démon Corinne, hein, je pense. Ça m'a entendu, elle a fait meurtre. Ouais! Pour une fois que j'arrive à faire un truc comme il faut sans mourir ou perdre un point de vie. Bonjour. En bas. On va y arriver, je vous dis, on va y arriver. On est où là? Ah oui. Non. 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 On se casse. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Donc on était là. Donc on va dire bonjour à Géraldine, là. La connasse. Salut Géraldine! Ben, elle nous a dit bonjour. Non, mais elle a combien de vie? Je l'ai raté. Je l'ai raté, et puis il faudrait que. Oh, j'ai tué mon fantôme! Oh merde! En fait, c'est facile, faut juste attendre, ça peut prendre juste 3 ans, quoi. Non, en fait, non, c'est pas facile. J'ai touché 2 fois, donc j'ai droit de me soigner. Mais là, comme ça, je sais pas comment je pourrais la toucher, en fait. Ah, comme ça. Genre, petit coup rapide. Et ça y est, on a trouvé le truc parce qu'on est moins con. J'ai menti. Attends, on est full vie. Ah! Fallait juste l'ouvrir. C'est facile ce jeu, je l'ai dit. Salope. Elle m'a pris par surprise. Je pense que c'est en même temps le. Putain, le principe du boss, ah putain, c'est pas trop tôt, mais crève! Je veux l'argent. Ah, ça fait. Non! Non, ça fait naître 15 000 connasses! Non, ça va? Ok, j'ai cru que ça allait faire naître 16 000 chenilles, et puis en caco, on va faire ça. On va regarder notre carte et avancer doucement. Allez, c'est parti, la carte au trésor, la rose des vents, la rose des vents. Mais je suis en train de taper dessus comme un mongol et. La rose des vents, la rose des vents. Merde, le caméraman, on l'a oublié. Non, je voulais aller en haut à la. Au début. Avant de tomber que telle une belle merde et de rencontrer Géraldine la chenille. Mélissandre qui s'était roulée dans les feuilles, pardon. Oh là 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 là. On recommence! C'est pas grave, on a l'habitude. Ça fait au moins 8 fois que je recommence le jeu. Ah, ben voilà. Tout ça pour ça. Tout ça pour me prendre juste une plante dans la gueule, hein, sans déconner. Tout ça pour du mana, mais non! Mais non! Mais vous avez pas le droit de me faire ça! Pff, monsieur l'arbitre, quoi. Tiens. Tu vas prendre pour toutes les autres. Je me suis encore trompé de bouton. Parce qu'ils le disent pas, mais RB, ben ça fait chier. Ça fait le pouvoir du cul. Là, y a rien. Là, y a rien. Là, y a rien. On va pas tous les faire. D'accord, donc la boule, hein, la boule magique, la fameuse. Tu m'as saoulé. Ah, par contre, ça donne pas de. Ah! Non mais, s'il te plaît, arrête d'être nul. Là, ça me suffit. Je veux l'argent. S'il vous plaît, c'est pour manger les bébés. Alors là, par contre, ouais, voilà. Bon, bah écoute, c'est parce que j'ai géré, je le savais, c'est tout. Pff, pas du tout.
Par contre, le gros monsieur, il m'a un peu surpris là. Est-ce que je peux y arriver là? Oui. Oh, il y a un coffre! Je veux le coffre! Oh non, je le sens venir gros comme une maison. J'ai pas de mana, je vais mourir. Il faut être bon. Je veux le coffre! Donnez-moi le coffre! Oh, mais non, mais c'est que de l'argent. Bon, c'est bien l'argent, mais. Si c'est une map juste comme ça, avec juste une épreuve de skill de merde, et qu'il n'y a rien au bout, eh ben je vais mourir. Et il y avait un banc là-bas, putain! Oh non. Échange de bons procédés. Échange de Jean-Michel. Oui! Ne pas tomber malencontreusement dans le vide. Oui, je te choisis. Larvomerde, on va l'appeler. Le nouveau Pokémon, Larvomerde. Attends, mais je suis baisé, je peux pas aller là-bas. Mais j'en ai marre. Bon, j'espère que l'esprit de Larvomerde va nous aider. Allez, on se concentre. Oh là là. Ça a failli déjà être une catastrophe de merde. Cubit. Voilà. Le silence. Oh! Et c'est là où on voit que j'ai du skill quand même, un petit peu. Juste un petit peu. Et là, il y a quoi? Il y a encore un Jean-Michel. Ah, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on aille là? Alors toi, tu vas pas être drôle, ma cocotte. Mais alors, pas du tout. Non, tout ça pour du flonce. Il faut que je retourne dans l'autre côté. Ok, c'est pas grave. Elle s'active quand, l'autre bouffonne, là? On se casse, on se casse, on se casse. On se casse, on se casse, il y a des fleurs partout. On se casse. Au revoir. Cassez-vous les pigeons, merci. Ok, cool. Ce jeu est facile. Maintenant que j'ai beaucoup d'argent, j'aimerais... Oh, le banc, il est là-haut. Le banc. Banc. Allez. On va aller chercher notre petit banc. Il est où déjà? Ah oui, il est là-bas au fond. Non! Oh merde, j'ai un point. Non! Mais tout ça, c'est de la faute de Patrick Buisson. Mais je veux mourir, putain. Mais j'en ai marre! J'étais si près du but, bordel de merde! Et allez, on redescend pour vos plaisirs. Putain! Mais j'ai vraiment pas de bol, c'est pas possible. Mais qui a foutu ce buisson ici? Oh non. Ça fait deux fois, elle, que je la prends. Apparemment, la troisième sur la bad. J'en ai plein le cul. La la la. La la la. La. Ah, je peux aller là. Ah, ok, tout ça pour une connasse et un peu d'argent. Non. Oh mon dieu, cette lucidité. Elle voulait m'attraper les fesses. Ah putain, mais nique-toi. Je vais pas arriver devant le banc que je vais recrever, quoi. Ah non, mais là, faut pas mourir. Là, en vérité, faut pas crever. Là, en vérité, faut se soigner. Parce que j'ai pas envie que mon fantôme soit écrasé ou je sais quoi, parce que... Attends, on va juste faire ça, parce que la fleur, je suis sûr qu'elle va me foutre une race. C'est ta faute, t'es ta congénère. Patrick Buisson, merde. Bon, récupérons notre âme.
Elle est où, cette conne? Toi là, fils de pute. Non mais elle est où? Putain, mais j'ai pas envie de redescendre. Ah, elle est là. Je redescends quand même. Évidemment, tu te mets à côté d'une fleur pour me faire chier, sinon c'est pas drôle. Allez, on se casse, on va au banc. Bon. Ok. Après cette interlude musicale, nous nous déplaçâmes vers le fin fond de vers mon cul, vers chemin, vers chemin. Et nous allons pas là. Non, nous n'allons pas là. Nous descendons. Avec l'aide. Ah, bah non, pas besoin d'aide de Patrick Buisson. C'est quoi ça? Il y a des œufs partout. Oh non, c'est laid. Oh! Ah, les œufs, ils font flouf quand tu le marches dessus. Pouf, pouf. C'est drôle. Donc voilà. Il y a des méduses maintenant. Ah, j'adore les méduses. Ah! Il y a notre con qui vend des cartes. Non! Il y a le vide aussi, il y a de l'eau. Bah, qui dit méduse, il y a de l'eau. Est-ce qu'elles sont tuables parce qu'elles sont électriques? Bah, apparemment, tout va bien. Non! Le recul! Le recul, c'est pas drôle. Est-ce qu'il faut que je rebondisse? Ah, mais non, j'ai un dash. Ah! Non, mais quelle idée il a d'aller se foutre avec des connasses! Je peux pas... Non! Mais je peux pas passer! Mais putain de votre... Casse-toi, toi. M'en fous. Maîtrisé. C'était tout à fait voulu. Putain, mais je peux pas aller là. Bon. On peut pas aller là. Soit. On se soigne. On se soigne. Je ne suis pas d'accord. Mais genre pas du tout. C'est comme ça que j'ai écrasé un œuf qui va faire flouche. Et... Allez, on se casse. Donc ne pas toucher aux grosses sous peine de mort. Alors je le dis, mais je le fais. Je pensais pas que l'explosion me touchera en fait. Tant pis. Allez, on se casse, ça m'a saoulé. Mais j'aime les méduses. Mais j'ai plus de mana. Oh non, je suis en plein milieu. Mais nique-toi le jeu. Bon, c'est de la merde. Merde, il est où le banc? Il est là-haut. Mais j'y arriverai pas, ce jeu. Il est trop dur. Patrick Buisson de merde. Attends, mais est-ce que je vais au bon endroit? Oui. Que j'ai peur de pas aller au bon endroit, moi. Ah, nique-toi! Donc, nous retournons chez les connasses. Mais j'aime les méduses, c'est ça qui me fait chier. Plouf! Brume canyon. Bon, les petites, on peut. Les grosses, c'est très déconseillé. Apparemment, les tentacules ne me touchent pas. Ça, c'est quoi, ça? Est-ce que c'est encore... C'est de la merde, c'est du décor. Attends, mais c'était où que je suis allé? Ah bah oui, aucune carte pour cette zone! Donc, je vais récupérer mon âme. Oh, putain, mais... Elle est où? Oh, elle est de l'autre côté, c'est une vanne. Laissez-moi vivre! Saleté de papillon de nuit! Je sais pas ce que c'est des lucioles, c'est... Ça me fait chier. Au moins ça, on le sait, ça me fait chier. C'est très floral.
Pourquoi on retourne là? Ah, il y a des Patrick Buisson volants maintenant. Putain, ils sont costauds quoi. C'est eux qui viennent de faire ce bruit là ou c'était autre chose? Ah. Évidemment, là il y a rien. J'entends l'eau bidouf bidouf. Meurs, meurs. Est-ce que c'est lui qui fait le bruit ou pas? C'était pas lui. Et ça, je peux pas le traverser. Bon, bah, soit. Eh bah, alors nique-toi le jeu. Et là, c'est fermé. Ah, je suis encore venu à un endroit où je ne peux pas aller. Allez, on repart et on va devoir traverser les papillons de l'enfer. Alors, on va se soigner. Et là, il y a quoi? D'accord, je pensais que c'était une plateforme. Ben, nique-toi le jeu, voilà. Non, mais comment je vais monter, là? Heureusement que je suis bon sur les jeux de rythme. Ok! Oh! Des papillons bleus! Papillons bleus. C'est nul. C'est mieux de lumière. Oh putain, 3! J'ai 3 points de vie en plus, je vais les perdre en 2 secondes. C'est quoi ça? Un seau d'Alonest. Eh ben, je ne sais pas ce que ça fait. Et ça, c'est bien, t'as vu? Et en plus, je dois redescendre sur les connards de papillons merdiques. Oh non! M'en fous, j'avais des papillons bleus. Au revoir! On se casse! Putain, c'est pas possible. J'ai essayé de la taper pour voir si c'était tuable, mais ça ne l'est pas. C'est de la merde, ces monstres. Ah! Nique-toi! Nous allons... Ah, j'espère que j'ai assez d'argent. On va aller en ville. Et pour pas changer de trottoir. Attends, mais ils disent que c'est par là, mais c'est où? C'est pas par là, mais on va voir. S'il faut, il y a un mur à casser. Ok, très bien. Là, c'est vraiment la map, elle te dit... Non, ne viens pas. Voilà, tu te démerdes, c'est pas par là. Pif. Je suis full mana. Pif, pif, pif. C'est de la merde. Un jour, le jeu, il va me punir à faire des conneries comme ça. J'ai encore passé 3 ans à... C'est quoi, ça? Des roues. Moi, je préfère aller en ville, d'abord. Ça a l'air plus intéressant. Surtout que ce serait bien d'aller voir les... La station de... Oh, Quirrell, salut! Bon, oh, oui! Oui. 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 D'accord. Eh ben prenons du repos ensemble, Quirrell. Tu es un bon ami. Elle est où la station? On dirait qu'elle est là. Parce que c'est une énorme station, mais... Oh, le banc, le banc! Oui, carte mise à jour. Oui, je veux payer. C'est le seul endroit où je pourrais dire ça de ma vie dans un jeu vidéo. Et encore. Allez, Ding! Vous avez maintenant ouvert plusieurs stations de Coléopter, n'est-ce pas? Je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de voyager à nouveau. Plus je visite d'endroits, plus je sens que mes souvenirs me reviennent. Un peu comme si les tunnels de Coléopter dans mon esprit étaient ouverts à nouveau. D'accord. Bah écoute, si c'est une mini-quête, on le fera. Dirtmout. C'est parti. Nous allons en ville. On s'amuse en ville. On va de suite voir... J'ai oublié son nom. Je sais plus, c'est pas grave. Salut! Eh bien, je vais acheter. Iselda. Ah putain, mais je devrais le savoir. Iselda. D'accord, non mais tu veux rien me donner, c'est ça?
Nous n'avons plus rien à vendre pour le moment, vous avez vidé la boutique. Je suis dégoûté. Eh bien, on repart. Toi, t'es un gros con. C'est qui? Tiso. Être pâle, tu portes cette aiguillon avec tant d'aisance. Si tu es à la recherche de combat, tu ne trouveras pas de grands guerriers dans ce terrier pourrissant. J'ai entendu dire qu'une arène reconstruite pour ceux comme nous existe quelque part plus bas. Rejoins-moi là-bas et testons tes compétences. Je vais bientôt partir, viens me chercher si tu l'oses. Je te casse la gueule. Bon alors, j'ai envie d'aller voir les... Putain, j'ai oublié Vert de merde. Non, comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié le nom que je leur ai donné. Pff. Tant pis, je regarderai le replay. Disponible sur nos chaînes. j'ai oublié le nom. Oh. Donnez-moi l'argent! Ah putain. Oh mais encore! Ah putain, mais tellement. C'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est un quart de cœur. Eh bien, soit. Oui, mimi, mimi. Ah, bibou, bibou, les ont. Putain, mais comment je les avais appelés? Il y avait merde dedans. En même temps, s'il n'y a pas merde dans un des noms que je donne, c'est que c'est pas drôle. Alors, où c'est qu'on pourra aller? Tout là-haut, j'y suis jamais allé. Parce qu'en fait, maintenant qu'on a des nouvelles zones, est-ce que les. Vu que j'ai pas accès aux méduses, je sais pas si ça vaut la peine d'y aller, d'y. Voilà. Où est-ce qu'on voit si d'ici on peut atteindre des nouvelles zones auxquelles on n'avait pas accès dernièrement? Tout à l'heure. Il y a longtemps. Ici, c'est le cœur. Et tout à l'heure, ils m'ont vu, ils m'ont fait « Ah, oh, mon Dieu, tu es un enfant pourri! » Enfin, je sais pas si... Donc, est-ce que ça fait... ça activait quelque chose? Pas du tout. Eh bien, partons. J'ai même pas regardé mes nouveaux badges, si j'avais des trucs ou pas. Faudrait que je trouve un banc. Toujours les premiers monstres du jeu, les plus compliqués. Alors, regardons la carte. Bah, continuons tout droit, tout simplement. Fou me saouler. Donc c'est là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Oh non. Bonjour. Ah là là. Ah putain, y a un mouche à merde là, fais ce que tu veux. Je suis une merde. Ah. Bravo le veau, bravo! Oui, allez, tu me donneras l'argent. Tout ça pour ça. Ouais, je suis déception. Je suis tellement en déception que je vais laisser cette herbe vivre. C'est très enrichissant. Bon, regardons notre carte. Où c'est que je peux aller? Là-bas. Enfin, je me suis arrêté devant, donc je sais. Ah oui, pourquoi je pouvais pas monter? Est-ce que c'était parce que je devais faire des doubles sauts? Je ne sais plus. Là, ici. On est allé là et le jeu nous a dit non, tu ne peux pas aller là. Pourquoi? Parce qu'il faut aller vers le bas. Très bien, au revoir. Ok, donc on commence à resupprimer les endroits. Où l'on doit aller? Ouvre ta carte, s'il te plaît. Ouvre la carte. Ouvre la carte, putain, j'ai dit. Est-ce que là, on pouvait y aller? Non, je ne crois pas. Hein.
Je veux ouvrir la porte. Ah, mais il faut passer par en dessous. Et par en dessous, on peut y aller. Oui! Faisons ça! Ah! Au revoir. Faisons ça! J'avais oublié que où il sautait. J'arrive même plus à parler, quoi. Ah là là! Regardez, je me soigne devant vous, j'ai aucun respect. Au revoir. Sauf que là, je vais aller loin comme ça. Ah! Il y a le... Putain, mais j'ai vraiment oublié le nom, ça me... Je suis une merde. Oui, chenille merde! Bon, chenille merde qui m'a quand même donné un quart de cœur, notons-le. J'espère qu'ils m'en donneront d'autres. Je suis allé un peu trop loin, tant pis. Pouf! Ah, j'ai du mal à me repérer sur cette carte. Là, faut aller tout en bas. N'est-ce point? Allons en bas, là, allons en bas. Hey, cool! Blablabla. Bla, bla. Ouais, non, en fait, c'est juste. Hey, regarde, tu peux aller acheter! Va acheter, va acheter! J'ai pas envie. Je peux monter par là-bas. Genre, je peux continuer. Il y a un banc. Alors, déjà, on va sauvegarder au banc, n'est-ce pas? C'est la meilleure des idées d'aller au banc, hein? Le banc, le banc, le banc, le banc. Il est où le banc? Il est à l'intérieur? Oui, il est à l'intérieur. Est-ce que lui, il vendrait pas des trucs? Genre, il m'a filé un pouvoir, mais il veut pas m'en donner un autre. Genre, tu es gentil. Regarde, tu as tué des boss. Non? Bonjour. Oui, carte mise à jour. Salut! Je n'ai plus besoin de toi. Donc, en fait, t'étais vraiment un gros connard. Ok. Donc, on redescend. Parce qu'il y a des chemins que nous n'avons pas explorés. Ne serait-ce que pour avoir des petits trésors. Je suis encore allé sur un banc sans regarder mes badges. Putain! Ah oui, est-ce que là je vais pouvoir repasser en haut? Eh oui, Jamie. Tout à fait, Jamie. C'est pas des... Eh bien, je ne peux pas encore grimper au mur, donc je m'en vais. Et le bruit des monstres était encore bizarre, genre... Tant pis. Salut. Vous êtes relou, vous le savez ça? Qui sont les snorkies? Qui mais qui? Ah ouais. Alors là, non, je pense que... Ouais, voilà. Si tu rebondis, tu meurs de suite. Donc là, il faut sûrement un autre pouvoir où on peut dasher pas à l'infini, mais presque. Non, pas toi. Non, voilà. Alors, on réfléchit, on va passer là-bas, on va descendre sur le machin et on va essayer d'aller. Oh merde! Oh fuck! Il ne s'est rien passé. Eh, hey, tu veux pas mourir, putain! La vache, quoi, t'es... T'es dur à cuire! Et là, y'a quoi? Là, y'a rien, on s'en fout du cul, putain! On va au banc! Le banc... Que l'on voit danser... Eh, mais merde! Ouais, blablabla... Oui, bah, casse-toi, c'est mon banc! Les pouvoirs. Mais on n'en a pas. Mais c'est quoi qu'on a gagné alors? Oh, c'est ça! Blason de ville, sceau de l'honneur. Et ça fait quoi ça? Dalle de pierre, blablabla. Il y a une attache au dos qui permettrait de l'insérer dans une fente. Oh, c'est le truc qu'on a vu au tout début. Il va falloir retourner en ville, mais pas maintenant. Et ça, c'est une relique. D'accord. Et ça, c'est nos pouvoirs. C'est bien fait. Oui, bah oui. Ça, je sais pas ce que c'est.
Ok, cool. On se casse. Ça, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Non, maintenant, où allons-nous? Oh, j'étais de merde. On va déjà ouvrir les portes. Ah, il y a un Jean-Michel Moncu aussi. Oh, mais il est là. Oh là! Des mouches à merde. Les fameuses. Ouais, chenille merde, ou je sais plus comment je t'ai appelé. Là, c'est ça que je veux. Là. Voilà. On est content. On est plutôt content. Et je sais. Ah oui, il y avait un truc comme ça. Oh! Ah! Il y a une porte et il y a un. Je peux pas allumer la lumière. Eh bien, on se casse et puis c'est tout, voilà, oh là là. Si ça veut pas s'allumer, mais moi je me casse. Je me casse, putain de merde. Oh, maintenant ils ont des boucliers! Et vous êtes toujours aussi nuls, les mecs. Ils sont toujours aussi nuls, mais ça m'empêche pas de prendre des dégâts de merde. Alors, on est où? Là-bas. Putain, t'es vénère, toi! D'accord. Ouais, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable d'être aussi mauvais, sans déconner. Arrêtez-moi. Enlevez-moi la manette. D'accord, nous allons vers un truc avec trois petits points. Pourquoi? Oh! Ça, je suis pas très fan, même si on peut faire ça et arrêter notre. Oh putain, ça c'est une grosse mouche à merde. Ah, parce qu'elle fait des petits. Le bruit est dégueulasse. Et en mourant, elle en fait d'autres. Ben, oh, mais on l'avait déjà battu cet ennemi. Bref, on se casse. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh putain, faut du skill. Ah, je suis nul. Tout ça pour une chenille merde. Mais ça a bien fait ding, c'est quoi ce bordel? En plus, le premier, on peut faire ça en vérité. Oui, super, oui, bravo, mi, 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 casse-toi. Tout ça pour ça! Putain, c'est pas possible. Mais c'est nul! Bon, ça donne du fric et ça donne des quarts de cœur. Allez. On se dit que c'est bon sur le long terme. Paf! Paf! Au revoir, on se casse. Là-bas, je sais pas ce qu'il y a. Il y avait peut-être un truc en bas. Je ne sais pas. C'est quoi? C'est quoi? C'est un train? Quoi? Une porte avec une fente ouverte. Mais je peux pas utiliser mon machin. Et ça, c'est quoi? C'est pas ouvrable. Oh, super le. Eh, franchement, super. Super passage secret qui sert, hein, sans déconner. Bon, bah, je peux pas aller là non plus. Et là, ça fait rien? Non. Donc, on change de côté, on va ailleurs. Salut! 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 Nounou! Ah! Non, merde. Bon, je pourrais pas tomber plus bas. Hein. Attendez. J'aime pas les endroits qui servent à rien comme ça, putain, c'est contre-intuitif. J'aime pas quand c'est contre-intuitif. Bon, là, il y a un truc. Ah non. Il y a un caca à buter. Allez, c'est parti. Ça va, t'arrêtes où? Non, tu t'arrêtes pas! Bon ben. On va te faire foutre. Ah d'accord.
Voilà, facile. Putain, alors si elle, j'ai pas compris qu'elle était bien morte. Ah non, y a un truc dedans. C'est quoi? Mais ça bouge, c'est dégueulasse. Plein de petites merdes, du cul. Et maintenant les portes elles s'ouvrent ou... Ah ben voilà, merci beaucoup. Au revoir. Bon, on est où là? On sait pas. Ah, bonjour. C'est quoi ce bruit? Non, ok. On lui dira. Oh Dieu que tu es laide. Moriba. Oh, tu m'as surprise. Bonjour, bonjour. Entre mon petit cœur. Entre et fais comme chez toi. Je suis salubre et ceci est ma petite boutique de charme. Oh. Alors ça, c'est bien, j'en veux. Donnez-moi du charme. Alors, qu'est-ce que tu as? Cœur sang de vie. Gna, ce charme suinte constamment de ce sang de vie et stimulera votre métabolisme. Alors, je pense que c'est de bonne vie en plus. Prenez ce charme avec vous, vos ennemis seront plus faciles à atteindre maintenant. Longue lame. Oh! Oh, ça c'est bien. Roc solide. Plus facilement. Pierre de chaman. Cependant, si un jour tu apprends un sort, il te faudra vraiment acheter ce charme. J'ai entendu dire qu'il rend les sorts beaucoup plus puissants, d'accord? Donc on aura d'autres sorts. Canalisation rapide. Ouais. Et ça c'est quoi? Emplacement de charme. Lorsque tu auras 5 charmes en ta possession, je te le vendrai avec plaisir. Oh salope, tu m'obliges à acheter. Mais déjà je veux ça. Déjà je veux ça. Et je peux pas en avoir un autre. Donc il faudrait que j'en achète un autre. Je pourrais prendre un truc qui est pas très cher. Oui, j'ai acheté un objet. Et donc maintenant je peux prendre ça. Comme ça, moi, je peux avoir de l'espace en plus. Ah, il me faut 10 charmes. Ah ouais, mais je vais pas tout acheter, ma bonne dame. Hein. En plus, j'ai plus rien. Bon. On va faire ça. Et on va voir si on peut mettre de nouveaux trucs. Genre, moi, je veux mettre ça en vrai. Ouais, mais je peux pas. Permet à son porteur de garder son équilibre pour pouvoir continuer à attaquer. Oh! Est-ce que ça voudrait dire que ça enlèverait l'espèce de coup de merde qu'on a quand... Oui, c'est ça! On peut avancer en attaquant. Ah, c'est pas mal ça. Genre... Ah oui. Oh, je peux ne plus reculer quand j'attaque. Ah, oh, c'est bon ça. Ah, il y a une porte là. Bonjour? Oh, Tu manies ton aiguillon comme une massue. Est-ce mis juste... Quoi, qui es-tu? Ah d'accord, donc le mec il voyait d'autres choses. Il m'a guidé jusqu'ici. Si tu ne m'avais pas trouvé, je ne pense pas que j'aurais pu me réveiller. Je suis Sli. Habituellement, je vis une vie monotone à Dirtmouth. Mais dans ces ruines ne me réussit... L'air dans ces ruines ne me réussit pas, je ferais mieux de rentrer chez moi. Tu peux venir me voir si tu remontes toi aussi, je suis probablement le visage pardon, le plus amical qui reste. Et je pourrais te remercier convenablement pour ta bonne action. Eh ben écoute, tous les jours. D'accord, bon ben... au plaisir. Bon, on est où là? Ah oui, donc en fait, faudrait remonter. Ah putain, mais c'est tellement pratique. Et là, au revoir. Ok, donc ça c'était cool. On va essayer de s'avancer vers une nouvelle zone. Et vers la nouvelle zone, on va s'arrêter là pour ce soir. Parce que ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup pour vous et pour moi. Ah, le fait qu'il y ait plus recul, c'est quand même fou, mais il va falloir s'y réhabituer. Du mana. Hop. J'aimerais bien la lame plus longue là que j'ai gagnée aussi à la tombola. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce que c'est la reine que me parlait l'autre? Je sais pas, c'est bizarre en tout cas. Ça a l'air d'être ça.
Ça a l'air d'être une nouvelle zone, je ne sais pas. Ah, c'est une grosse vanne! Mais comment je fais pour y aller? Non. Et je peux pas dasher. Bon, mais on repart! Ah, j'en ai marre. Pas l'air d'avoir grand chose. Merde, oui, c'est ça que je veux faire. Alors, il y a un truc qui part. Et là, le seul chemin où je peux aller, c'est en bas de l'autre côté. Et c'est un peu loin quand même. Ouais, faut que je m'y fasse. À ça. Ouais, je sais plus vers où aller. Il y a un banc pas loin, ça serait bien d'y faire un petit tour. Ok, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. T'as même en tapant ça, maintenant on a plus de recul, quoi. C'est plutôt efficace comme badge. Je suis plutôt content de mon achat, très utile. Oui, le truc est là-haut. Bon, on va là-haut. On sauvegarde, on va sur la nouvelle zone, on trouve un banc et on arrête. On va faire ça. Hop. Voilà, carte mise à jour, on est content. Ouais, on va faire ça. On va essayer de descendre quelque part. On va essayer de voir si on peut descendre, et puis si on peut pas descendre, on changera, enfin, on improvisera. On va faire ça. On va faire... Ah, c'est vrai, il y avait ça. Hop là. Je m'habitue à ne pas être reculé. Sinon, je n'y arriverai jamais. Alors, oui, bah on continue et dès qu'on peut, on va en bas. Oh, il y a un truc qui brille. Je veux monter là-haut. Et je ne peux pas parce que je n'ai pas de double saut. Attends, mais si j'ai plus de recul, est-ce que le fait de sauter sur les... Ah, je peux aller là, ouais. Le fait de sauter sur les pics, ça fonctionne encore ou pas? Et maintenant, je peux aller là. Wouh! Ah, c'est une nouvelle zone avec des champotes. Tu perds un pote. Mais je veux voir... Je pense qu'il y aura un dash ou un... Vers le bas ou un truc... Ah, dasher vers le bas, on peut. Non, on peut pas. Peut-être qu'il y aura un truc plus tard, mais pour l'instant... Champignon! Donc nous avons découvert la nouvelle zone. Est-ce qu'on teste la carte? Caverne nocive. En effet. Ouais, très drôle comme monstre. Putain, ils sont longs à tuer, dis donc. Merde, j'ai pas vu le panneau. Pff, ces endroits qui servent à rien. Arrête! Tu m'emmerdes, le monstre. Et paf. J'ai dit et paf. Le champignon de l'amour et de la vérité. Le fameux. Là, ça pue, là. Est-ce que je peux descendre, là? Oui, je peux. J'ai pas de carte, putain. Ici. Ça a l'air d'être calme. Est-ce que c'est un boss? Oh, c'est un banc. Cool. Bon ben j'ai trouvé le banc. Mais j'ai quand même envie de parler à ce monsieur. Salut! N'essaie pas de te profiler, je peux sentir ton odeur. C'est mange-pâte et il est aveugle, d'accord. Donne-moi des géos et tu pourras voir quelque chose de joli. Pff, oui, allez. Ah mais il a juste dit voir. Oh merde.
Eh bien, laisse-moi te montrer, j'ai donc un coup d'œil. Tu les veux? Si tu les veux vraiment beaucoup, je te les échangerai pour plus de géos. Ceci est un charme magnifique, c'est précieux, je l'ai fait pour toi. Si tu le portes sur toi, tu seras en meilleure santé. Ah, mais il file des trucs. Bah écoute, quand j'aurai l'argent. Hein, on fait ça. Acheter ou écouter. Ouais, non, non, j'aime pas qu'on me fasse du mal. Bon, ben, on a trouvé le banc de la nouvelle zone, tant pis pour la carte. Je propose qu'on s'arrête ici. Donc, je vous dis à bientôt. Je sais pas trop comment faire, mais je vous dis à bientôt de nous suivre, évidemment, sur toutes les plateformes que vous avez vues tourner en bas de votre écran. Parce que c'est là où on fera nos annonces et ça sera plus facile pour suivre les streams ou nos autres aventures ou nos autres projets ou tout le reste. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, au revoir, au revoir.